like I won't slow down. I'm stuck here on the ground, and all I want so high up above. Salut les potes. Ça va? Comment ils vont? Est-ce que ça a passé un... On dirait que je suis enrhumé, non? Est-ce qu'on dirait pas que je viens d'éternuer ma race? Est-ce que ça va les potes? Est-ce que ça a passé un bon petit week-end? Est-ce que ça a pas piqué les merguez? Ça c'est très important. Est-ce que ça a tryhard le choc? Plus que moi, j'espère. Parce que c'est pas la folie. Eh ben, petiste qui s'abonne pour son 7e mois. Merci, tonton. Merci pour le soutien. Ça fait plaisir. C'est la famille. De la famille. Salut, Dark Vale. Salut, Jeff. Salut, John and Spawn. Salut, Pam Pam. La tulipe. Salut Valou, qu'est-ce qu'il dit? Salut David, comment il va? La forme? Ouais, moi fatigué, j'étais à la mer. T'as vu? La musique est super forte, mais tu te calmes. Salut Fefe Vult, qu'est-ce qu'il dit? Salut Tsuki, qu'est-ce qu'il dit? Salut Phil, comment il va? Salut Luxu, qu'est-ce qu'il dit? Salut Wales, la baleine, comment il va? Fin de semaine compliquée, week-end plutôt agréable. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, je suis mort. J'étais à la mer. Et du coup, le soleil a tendance à t'écraser littéralement sous son poids, sous ses rayons. Voilà. Donc, je suis rouge, fatigué. Et j'ai des ampoules. Je vais vous raconter, c'est incroyable. Ça marche le live du coup là, c'est cool pour tout le monde. Salut Capsule Cortine, qu'est-ce qu'il dit? Un bronzage d'enfer, ouais c'est un peu ça. Salut Giscard, il est là, on peut attaquer, comment il va? Salut Raiden, ouais mais la 4G à Montpellier, incroyable! 100 fois meilleur qu'en Ardèche. C'est fou! Et Yelena qui s'abonne pour son 9e mois, merci tonton. Ça fait plaisir, on lui met des poètes à cet homme-là. Depuis les Landes. Ok. Merci, ça fait plaisir. Comment elle va? Ouais, la 4G à Montpellier, incroyable! Incroyable! C'est genre 300 mégas, enfin délire quoi. Pas plus d'upload, mais en download 300 mégas. Ah, il est 20h! Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils vont? Ah, je vous préviens, il y a énormément de couleurs sur moi. Comment ils vont? Qu'est-ce qu'ils disent? Le crâne est rouge, ouais, grave. Attends, merde. J'ai vu les replays. Ah, bon, c'était bien le petit live de Sanctuaire replay. Oula, elle bug? Non, ça va. Ça, c'est mon cerveau qui bug. Et merci Phil qui renouvelle son abon. Merci tonton. Et David qui offre un abo à jeu. Et c'est le train de live d'entrée de jeu. Bah, 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 bah. Merci les potos, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Ouais, je sais, c'est vrai que j'ai un peu bronzé. Ouais, c'est vrai. Le pire, c'est quand tu fais ça là. Tu le vois direct. Regarde. Vous êtes en 1080p là ou pas? Et Yelena qui met 100 bits. Merci beaucoup. Regarde bien la marque, regarde. Et il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de soleil. Et David qui s'abonne avec son Prime. Merci tonton, il y a la moitié qui s'affiche, l'autre moitié qui s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup gros, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le soutien les amis. Ah, transformer son abonnement Prime, c'est pareil. Merci beaucoup. Oui, voilà. Voilà. Il n'y avait pas de soleil. Hein. Il n'y avait pas de soleil. Et il y avait des nuages. Mais les 10 minutes où on a vu le soleil, je sais pas comment te dire, sans être vulgaire, comment il m'a retourné ma race, t'as vu. Il m'a pris. Et je sentais qu'il était en train de m'agresser directement à la harissa, le bordel. Et moi, taquin, je me dis, je vais me mettre sur le ventre, sur le dos. Et heureusement que je me suis mis sur le dos. Et David qui offre 5 abos à Luffy, à Séphir, à Séphirote, à Shizomi, à Zéro et à Fanfan. Mais merci, tonton. Po, po, po. Merci beaucoup, gros.
Mais merci. Oh, exam de la hype niveau 2. Exam de la hype niveau 2. Je vois pas encore. Niveau 3. Merci gros, merci beaucoup. Salut Tonakir, qu'est-ce qu'il dit? En prévention d'un nouveau cosplay. Je suis rouge. Est-ce que je suis rouge? Le soleil aime pas les chauves, ouais grave. Salut Choco, qu'est-ce qu'il dit? Il me l'a fait à l'envers, ouais non mais c'est la folie. Donc les bras ça va? Bon alors, on voit pas trop mais avec la lumière, mais les bras sont bronzés. Je suis, en fait en réalité par rapport à la webcam je suis bronzé. Mais bon, il y a des corrections de couleurs qui font ça. Merci beaucoup, niveau 3 du like. Sap de like, ça fait plaisir. Merci, les amis. Salut, Rose, comment elle va? Qu'est-ce qu'elle dit? On dirait presque le grand schtroumpf, c'est vrai? C'est vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Oui, donc, voilà. En plus, ça a été toute une histoire. Ça a été toute une limonade. Parce que bon, on est arrivé vers 11h, un truc comme ça. Donc, à Palavas-les-Flots, à côté de Montpellier. Et donc, on s'est dit, on va aller un peu à la plage. Tranquille, bon, on va prendre un peu de soleil. Et après, on avait faim, tu vois, comme tout être humain à un moment donné. Donc, on se dit, on va se diriger vers le village, le Bignou. Et premier restaurant où il y avait de la place, ma copine a dit, ouais, voilà, mais c'est les femmes, ça, c'est direct, faut pas chercher. Hein. On va voir en ville. Bon, en ville, noir de monde, pas une place pour manger. Et si tu mangeais, t'étais collé à Roger de la Comta et Jean-Eudes. C'était pas possible. Quoi. Moi, j'ai dit, moi, je mange pas là. C'est mort, j'ai pas envie que le mec... j'ai pas envie de recevoir les comment ça s'appelle ? Tu sais, les éclaboussures quand il croque ses moules, le mec. Non, j'aime pas la moule. Donc voilà, quoi. Salut Goku Luffy, qu'est-ce qu'il dit ? Salut Marek, comment elle va ? Et du coup, voilà, quoi. Du coup, voilà. Et on est revenu au resto, il n'y avait plus de place. Et du coup, on a mangé un petit snack de merde un peu plus loin, tu vois. Alors qu'on avait envie de se manger un petit truc bien, tu vois. Puis au final, c'était vraiment cool. Et après, on est allé bronzer et on est rentré. J'ai eu droit à la parade de la patrouille de France. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. J'ai voulu prendre le soleil maintenant. Je suis sosie de Donald Trump. Ah ouais, non, mais il y a un délire parce que moi, avant. Quand je prenais le soleil, ça n'avait rien à voir. Je bronzais directement. Maintenant, je sens que le truc me démonte. Hein. Il y a un délire. Il y a un délire. C'est insane. Donc voilà quoi. Je le sens. Je le sens qui m'agresse. Alors du coup, bon, j'ai pas du tout tryhard le choc. Bon, ça on s'en doutait. Hier en plus, je suis allé faire les courses hier après-midi. Mais c'était cool. C'était cool. Je me suis acheté une paire de chaussures. Ouais! Ça faisait 3 ans que je m'étais pas acheté des chaussures incroyables. C'est à peu près les mêmes. Mais je m'en suis bien tiré. Je suis allé à un Intersport. Il y avait plein de trucs moins 40. Et franchement, elles sont cool. Ouais, franchement, elles sont pas mal. Donc ça fait plaisir. Des petites Nike, tu sais, basket un peu, tu vois. Mais bon, tu sais, quand tu les payes 38 balles au lieu de 75, t'es content, quoi. Donc ça fait quand même pas mal, plaisir. Et puis j'ai pris ça et j'ai pris une gaine aussi pour sortir la chaleur de mon garage parce qu'il faisait trop chaud dans mon garage. Puis voilà, donc on est pas mal. Salut Mastoc, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Il y a encore une grosse semaine de tryhard de choc, ouais grave. Pour le 6 juin, j'habite pas loin d'Omaha Beach. Omaha Beach? Omaha Beach, c'est sur la côte normande ça, non? Omaha Beach, c'est pas sur la côte normande ça? Ou au-dessus, parce que Omaha Beach, je me rappelle que c'était un truc où débarquaient les Américains, si je me rappelle bien. C'est en Normandie. Ah, c'est bien ça. Tu sais grâce à quoi je le sais? Grâce à la série Band of Brothers. J'adore cette série. Donc voilà quoi, en Normandie, ouais. Ouais. Dans la semaine, mon agence vient faire visiter mon appart qui est en vente avec moi dedans. C'est compris dans le prix, ça. C'est compris dans le prix. Alors, du coup, on en est là, les amis. Donc, du coup, bon petit week-end, c'était pépère. C'était sympatoche. Ça fait plaisir. Et vive la Normandie, bien sûr. Vive la Normandie. Et bien sûr. Et leur instrument qui est de là-bas. Ouais. Oui, le Pouit, c'est de là-bas, les gars. Oui. Et du coup, voilà. Bon, alors, pas mal de choses sur MSF, hein, les amis. Alors, un dev blog. Bon, je l'ai enregistré hier. Un dev blog de type assez incroyable. Monstrueux. Monstrueux, le dev blog. Avec une petite particularité dans ce dev blog qui est... il est en français. Ah non, toujours pas. Non, j'ai rien dit. Avec une petite particularité en mode... tout le monde râle, du coup on va faire quelque chose quoi. C'est insane. Mais ça fonctionne.
même sur moi, et ça, ça me dégoûte. Ah, le train de live niveau 3, merci beaucoup les potes, ça fait plaisir. Salut Polo Polo, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? J'ai voulu ouvrir mes RS sur Philavel, au final j'ai chopé un 7RS sur Thor. Ah ouais, c'est pas mal quand même, ça va. On va ouvrir des RS d'ailleurs, oui, sur Philavel, tout à l'heure. Ça va être bien. Ça va être cool. Courseul sur mer. Courseul sur mer, incroyable. C'était dingue. J'ai acheté un nouveau truc aussi, je sais pas s'il y en a qui ont vu. Il y a des gourmands parmi vous? Non, je pense pas, il n'y en a pas. C'est les nouveaux trucs Kinder qui sont à côté des Kinder Pingouis. Et tu sais, ça ressemble un peu à une tropézienne vite fait, mais au citron. Je sais pas si vous avez vu. Il y en a qui ont, grillé le truc ou pas? J'ai acheté ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, ouais, ça va pas casser trois pattes à un canard, mais c'est pas mal. Mais sinon, c'est pas dégueu, quoi. Voilà. Ça se mange. Franchement, ça se mange. Salut Captain America, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai chopé un coup de soleil. Ouais, j'ai chopé un énorme coup de soleil. Ça se voit tant que ça? Je suis un peu rouge. ouais. Fais voir si j'enlève les filtres de la webcam. Ah, mais merde, il n'y a plus de filtre, je crois. Ah non, il n'y en a plus. Ah non, il n'y en a plus. Je les ai mis. Il y a bien des filtres, mais maintenant ils sont plus sur ce logiciel-là en fait. Salut Ulysse, qu'est-ce qu'il dit? 0 RS sur la Schtroumpfette. Ah, 5 RS sur Kestrel, c'est beau par contre. Ah ouais, il y en a. Vous avez tiré un peu de la RS dessus? Il y a du soleil en Ardèche. Ouais, j'étais à Montpell, je suis parti ce matin, je suis revenu il y a 6h, il y a 2h. Le temps de manger un bout et de prendre une douche froide. Philavel 7 RS, oh le bâtard. Un seul Elite 5, j'ai chopé 6. Est-ce que 3 RS, est-ce que c'est pas la team où faut tirer de la grosse RS, les amis? Je me demande, hein, parce que ça a l'air d'être ouf quand même. Est-ce que c'est pas la team où où faut tirer de la RS à foison là? Hein, vous en pensez quoi? Ah merde, on va peut-être perdre la GA là, je suis en train de m'en rendre compte. J'ai fait deux attaques dégueulasses tout à l'heure, mais j'aurais peut-être pas dû. RS sur Philabel, deuxième 7 RS en 3 semaines. Quoi? Gamora, par contre, elle va jouer où? Ben dans la team, pardi. Dans la team Adam Warlock, là. Infinity Watch. J'ai pas eu Philabel, mais Hulk 6 RS dans une orbe de base. Ah ouais, c'est pas mal. Je l'ai aussi, 6 RS, c'est pas mal. Est-ce que je peux recharger, là? Ouais, je peux, apparemment. Avec 3 orbes, 4 RS, puis 7 RS fila. Mon premier 7 RS en 15 mois de jeu. Sérieux? Putain, mais elle sort 7 RS, ils veulent la vendre ou quoi? Bon, on va se mater ça. Au niveau du dev blog, la première partie, on n'apprend rien en fait. Hein, c'est c'est ça le nom qu'ils ont mis en français. Ah non, c'est Infinity Watch. C'est juste que parce que c'est Google qui traduit. Hein. C'est, on n'apprend rien de plus. Hein, C'est le kit du perso, quoi. Anti-Venom, ça va faire du bien. Ouais, le mien, il y a combien? Je suis assez d'accord avec toi. Je crois que je vais pouvoir le passer 6. Il a 148 sur 200. Ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir, ouais. Ouais, moi. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, tonton. Comme ça, je vais pouvoir le passer 6 étoiles. Je vais prendre 5 ou 6 cas de puissance. Et ça me fait plaisir. Oui, monsieur. Je suis allé sur ma balance aujourd'hui, j'ai perdu 27 kilos en 9 mois, le bâtard! Non. Tu mérites, tonton. Ah ouais. 27 kilos en 9 mois, mais c'est énorme! Je suis assez fier de moi, mais il me reste encore du travail, il me reste au moins à perdre. Pour 10 kilos pour atteindre le poids honorable. GG, tonton. C'est beau. C'est beau. Franchement, c'est beau. Le 7 RS sur les ravageurs, arrête! Ah, salut Kael, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Ouais, bien le week-end, pas trop présent aujourd'hui. Bon, bah t'as dû voir. Mais ouais, bien sûr, ouais. Top moumoute. Ça va choc grave la semaine prochaine? Ça va choc, après... Bah moi, tu vois, jeudi matin, j'ai kiné. Vendredi, je suis à Lyon.
Ce week-end, je dois. Il y a mon propriétaire qui vient. Donc ça va être chaud. Hein. En choc, il y a Anti-Venom et il y a le deuxième passage Misty Knight cette semaine là. Donc ça envoie du poney. Hein. En 15 jours de restriction alimentaire, avec un litre d'eau et de thé. What the fuck? Faut embaucher un petit. Ouais, mais au début ils aimaient bien, mais maintenant. Ils ont vieilli, hein. Ils ont grandi, quoi. Du coup, j'ai marché. On a marché pour trouver un resto. J'ai une ampoule. Elle fait la taille de mon pouce. Véridique. Genre ça, là. Elle fait ça. J'ai une ampoule comme ça. J'étais en tatane. Au milieu de la nature. Urbaine, bien sûr. Et moi, je supporte pas les ampoules. J'ai envie de les... J'ai envie de les claquer, tu vois. J'ai envie de leur mettre en... Hummer Fist, tu vois. Donc voilà. Bon, ça mate cette petite news de la commu. Votez pour Loki. Ah, j'ai du mal avec le vote. Hein. Et la campagne Mischief. Je sais pas comment on dit en français. Alors, le 9 juin, donc ça c'est pas mal, c'est dans 3 jours, soit exactement mercredi. Ça va commencer. Alors là, faut garder ses noyaux. Hein. Faut clairement garder ses noyaux parce qu'il va falloir tryhard. Sévère la file à velle. Le bon côté de la chose, c'est qu'on est sûr de la voir, elle, déjà. Ça c'est déjà pas mal. Il faudra, voilà, des personnages au trait Quantum Guard, donc gardien quantique ou un truc comme ça, j'imagine. Et voilà. Donc on verra. Je crois que ça n'a pas encore apparu, ça. Hein. Alors. Garde quantique. Waouh! Alors, on a. Ah oui, oh, ça va, on est pas mal. On est quand même pas mal. Et il y a Crackerel! Il y a Crackerel, donc ça, c'est une bonne news. Il y a quand même Crackerel. Ouais, on est pas mal. Il y a des vieux persos, il y a des nouveaux persos, il y a des persos pourris, il y a des persos nuls. Il y a des dragons lune. C'est pour la rime. Qu'est-ce que t'as dit en Tarkon? Du coup, parallèlement à Vote for Loki, l'événement campagne récompensera votre participation à la campagne événementielle avec une chance d'acquérir le nouveau costume de président Loki de Loki. Ça, c'est pas mal. Franchement, il est pas trop mal. Alors déjà, il faut me faire penser aussi, les gars, avant le live. Pendant le live, il faut que j'achète celui de Iceman. Celui de Loki est pas mal, ça va. Par rapport aux autres, il a l'air un peu plus travaillé. Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, s'il y a des mecs qui l'ont acheté déjà et qu'il y en a qui l'ont vu. Il a l'air un peu plus travaillé que les autres. Il a quand même une courbure un peu chelou, mais... Mais sinon, il est un peu... ouais, ça va, quoi. Il est pas trop mal, tu vois. Il est pas trop mal. Iceman, faut absolument que je l'achète, les mecs. Hein. Je peux l'acheter. Diantre, 25 000. Je peux pas encore l'acheter. Donc, c'est plutôt cool. Si on peut l'avoir gratos, c'est plutôt cool. J'adore parler de mon père, 1h14, toujours pas de news. Ah, diantre. Il faut que tu achètes le skin. Non, quand même pas, non. Non, quand même pas. Dépenser de l'énergie de campagne votée pour Loki pour gagner des points pour l'étape quotidienne de la campagne. Donc de la phase Mischief, là. Qui récompense les ressources ISO 8, de l'équipement violet et de l'équipement orange mystique, des catalyseurs, des catalyseurs, quoi, et des bouts jaunes. Voilà. Tu les utilises, et avec ça, tu peux acheter le skin président Loki. C'est pas mal, hein. En vrai, c'est pas mal. Ça va durer quand même un bon 2 semaines, hein. Un bon 10-15 jours, donc ça, c'est pas mal. Et comme d'habitude, à la fin du mois, il faudra les dépenser avant le 1er juillet pour prendre le skin. Si tu les convertis pas, enfin si tu les achètes pas, ils seront convertis à hauteur de 40% taxés. Alors il y a une chose à noter quand même, les amis, c'est que vous avez vu maintenant dans les phases, ils nous mettent, je sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo news que j'ai fait, mais je me suis fait cette réflexion, c'est que dans les phases, les nouvelles phases, au lieu de nous mettre des éclats de personnages, maintenant ils nous mettent des costumes. Ce qui veut dire que si la fréquence de sortie de personnage reste la même, à terme, on va avoir un écart qui va se créer par rapport à maintenant. On va avoir de plus en plus de mal à récupérer des fragments de personnages. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Donc on sait déjà que maintenant il faut attendre. Si t'achètes pas un personnage, t'attends un mois pour l'avoir, hein, ce qui est le cas là, hein. Enfin même un mois et demi, puisque regarde, il y a bientôt la... attends, un mois... Il vient d'y avoir la mise à jour. Et tu vois, on a pas moi j'ai pas encore Colleen, je l'aurai que demain. Et Misty Knight, je l'aurai que lundi prochain. Donc tu vois, ça fait pratiquement un mois et demi d'attente pour avoir un personnage qui sort. Et ça pique, hein. C'est vraiment énorme. Il parle plus de personnages à gagner comme Emma Frost ou Spider-Man Symbiote. Et bien écoute, ça fait un moment qu'on en a pas vu. Non, ça fait un moment qu'on en a pas vu. Ça fait un moment qu'on en a pas vu, je trouve. Ouais, c'est pour ça que je me dis que peut-être qu'il y en aura plus. Ou peut-être qu'il y en aura de temps en temps. Mais en tout cas, c'est plus systématique comme avant. Maintenant, ce qui est systématique, c'est les skins. Pour l'instant, ils nous les font gagner gratuitement, ces skins. Mais faut s'attendre à que ce soit pas le cas éternellement. Moi, je pense que ça va pas être le cas éternellement, tu vois. Je pense qu'il y a un moment où ça va commencer à être compliqué. Ou ils vont continuer à nous en faire faire... À nous en faire gagner des gratos. Mais ils vont rajouter à ça un à côté plus premium. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça se dirige vers ça. À voir. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà quoi. Vivement les 800K du jour de paix. C'est demain ça? C'était aujourd'hui et demain. Ah, les 800K du jour de paix, c'est la semaine prochaine. Le prochain perso RTA, je sais pas. Kitty Pride? Ouais, ça peut être pas déconnant. Mise à jour des T1 ISO 8. Alors là, voilà. Là, après la tempête, arrive l'explication. Pourquoi tout ça n'a pas été mis en place direct? Comme d'habitude, ça amène à se poser des questions, quoi. Hein. Je veux dire, il y a un moment... Tout le monde râle depuis 3 semaines et comme de par hasard, là, ils nous pondent un truc genre « Non, mais regardez, en fait, on vous a pas dit, mais il y avait ça. » Il l'avait fait une autre fois pour un truc, mais je me rappelle plus ce que c'était ça. Il l'avait fait pour un autre truc, mais je me rappelle plus. Donc, ils vont rajouter pas mal d'ISO 8 vert, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ISO 8 vert. Une quantité phénoménale d'ISO 8 vert, en fait. Déjà, il va y en avoir dans la campagne qu'il va y avoir pour Loki, là, pour avoir le skin... Loki est pour débloquer Philabel. Donc ça, ça va commencer là. Il va y avoir un calendrier à partir du 25 juin. Alors, le délire, c'est est-ce que ça a l'air d'être un calendrier éphémère et pas un calendrier constant, tu vois. Donc voilà. J'espère que c'est constant, mais... à partir du 25 juin, heure locale, connectez-vous tous les jours pendant 7 jours pour gagner des fragments d'or bionique. Donc tu vois, ça sera que pendant 7 jours, hein. Donc bon, c'est pas mal parce qu'on va s'en sortir quand même avec 40 orbes basiques T1, ce qui est pas beaucoup, hein, c'est pas énorme. 10 orbes premium T1, ce qui est pareil. Et par contre, il y a 10 orbes de Yon T1, ça c'est énorme. Ça fait plaisir. Ça c'est énorme. Salut Sir George, merci pour le follow. Ça fait plaisir d'écouter un streamer hot qu'anglais qui joue sur ma sub. C'est vrai, il y a des Espagnols aussi. Il y a des Espagnols, bienvenue à toi tonton, ça fait plaisir. Depuis que ce soit des mimi, ça en déduit que ce soit des mythomanes extrêmement cons. Ouais, c'est dit gentiment, ça peut être ça. C'est le second de faire gober qu'ils ont fait une erreur et font un correctif. En fait, ouais, c'est... Il y a une araignée. On en parle de la RTA qui sert à rien en ce moment dans les récompenses. Ouais. Ouais, la RTA, là, ils font durer, tonton. La RTA, je pense qu'ils font durer, hein, je le dis. On va aussi avoir des orbes. Donc ça, c'est assez incroyable. La mise en ligne de la prochaine version 5.5 d'environ 6 semaines sera l'ajout de fragments d'orbes ISO 8 de base T1 au nœud de la campagne ISO 8. Donc maintenant, quand on formera l'ISO 8, en plus de gagner des ISO, tu vois, et bien en plus de ça, on gagnera des orbes. Et du coup, on pourra ouvrir des orbes et donc on aura plus d'ISO. Donc au final, ça a l'air pas mal. Il y a quand même deux choses... qui sont des choses éphémères, donc un événement de campagne et un calendrier, et une seule chose qui va être constante, tu vois. Donc, à voir, parce que vu la quantité de personnages qu'on va devoir passer ISO 5, parce que ça va probablement être dans les restrictions des prochains raids. Les amis, on est en juin, hein. En novembre, il y a le level cap qui augmente, le gear cap, la nouvelle DD, je vous le dis, hein. Et potentiellement, les premières annonces de raid qui sortiront pour l'été d'après, tu vois. Peut-être un Red Doom 2 First Strike, tu vois. Donc, tout ça pour dire que, à l'heure actuelle, on est très très loin des ressources nécessaires pour pouvoir monter nos personnages en termes d'ISO 8 vert.
et que c'est la suite, c'est bientôt. La suite, c'est bientôt. 3 mois, c'est pas beaucoup. Hein. 3-4 mois, c'est pas beaucoup. Hein. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc à voir. À voir parce que à voir ce que ça va. À voir la quantité que ça va donner. À voir la quantité que ça va donner. À voir la quantité que ça va donner. Défi d'origine. Mais j'ai peur que tu vois le truc dont on parle depuis des mois et qu'on entend depuis des mois non-stop, cette histoire de goulot d'étranglement, comme ils appellent les Anglais, le fait qu'on n'ait pas les ressources pour pouvoir suivre le rythme du jeu, eh ben, peut-être que cette année, il va s'agrandir. Ce qui serait dommage. Défi d'origine. Gagner plus d'équipement, des traits d'origine avec les prochains défis d'équipement d'origine. Alors ça, c'est pas mal, en vrai. En utilisant des personnages équipés d'ISO 8, donc là encore, t'as des restrictions d'ISO 8, donc il faut qu'ils nous les lâchent, hein, les ISO là, et là, faut pas se mentir. Rassembler des équipes pour chacun des 5 traits d'origine et envoyer-les au combat pour gagner des tonnes d'équipements d'origine violet et orange. C'est vraiment pas mal, hein. Donc 5 nouveaux défis quand même, les mecs, hein, pour le coup, un par truc. Et donc, beaucoup d'ISO 8 à dépenser, hein. Faudra des ISO 8 level 5 pour pouvoir faire la difficulté 3 sur les persos. Voilà. Voilà. Donc, il faut qu'ils nous lâchent des ISO, hein, clairement, parce que là, on pourra pas les faire. Hein. On en a déjà pas assez pour le Red Doom. Bon, ça va se tasser, le Red Doom, on va pas se mentir. Ça va aller assez vite. Et là, du coup, vu qu'il va y avoir ça, ça va être chaud. Hein. Bah, après, peut-être que ça va se tasser, hein, en vrai. Hein, bon. Événement légendaire de retour. Jubile. Donc ça, il l'avait annoncé... Un jubilé avant le père Adam Warlock, c'est nous mal. Donc voilà quoi. Donc évidemment, Pimtech à 5 étoiles, les amis. Ant-Man Wasp, Stature, Yellow Jacket et Ghost, tout est farmable. Enfin, si on peut appeler Ghost farmable vu qu'elle est en shop de guerre. Oui, il y a jubilé, ouais, enfin. Donc là, il donne les comment ça s'appelle, les recommandations, mais on s'en fout. Et les chocs. Tout. Je débute sur ce jeu et si je comprends bien, la compagnie aime beaucoup contrôler la méta. Ah ouais, là, c'est plus que du contrôle. Je pense que tu peux... On est 66, là. Tu peux demander à n'importe qui ce qu'il est en train de monter. Je pense qu'on monte tous la même chose. Malheureusement, c'est... C'est un peu le souci, quoi. C'est un peu la tristesse du truc, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est de pire en pire, d'ailleurs. C'est de plus en plus comme ça. Donc demain, Choc RS, Choc Orbe supérieur, mardi à jeudi, Anti-Venom, oui monsieur, Anti-Venom en choc, donc ça fait plaisir, un petit peu de tryhard à ce niveau-là, et le deuxième passage de Misty Knight de vendredi à dimanche. Les ravageurs. Bon après, il y en a peut-être un ou deux qui montent les ravageurs, mais ils le disent pas. Cette semaine, on dort pas, non. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais, il y a du choc. Hein. Cette semaine, il y a du choc. Ouais. Ça serait pas mal qu'ils virent cette restriction de merde où t'es obligé de te connecter toutes les deux heures et que tu la torches le matin et t'es tranquille. Hein. Ou le soir. Salut Polo, qu'est-ce qu'il dit ? Ça serait vraiment le truc. Hein. C'est comme Nebula, exactement. Anticipation sur 2 ans. Voilà. Twitch remarche ? Ouais, c'était pas moi, hein. c'était bien Twitch. J'ai l'impression d'avoir... Ah oui, ok, c'est normal. Toi bien. Ouais. Ouais, ça venait bien de Twitch, ouais. T'aimes bien le choc ? Ah, tu verras. Tu verras, c'est... Ouais, au bout d'un moment, c'est relou. Événement bonus et flash. Donc, il y a double XP sur la confrérie et les X-Men. Donc, c'est plutôt top moumoute. Et petit event, les mercenaires. Donc ça fait plaisir. Le payday. Ah oui, c'est le payday avec un x2 sur les mercenaires. Samedi, donc ça fait plaisir. De l'oseille, de l'or, de l'oseille. Ça fait plaisir. Tout d'un coup, c'est le pied. Ah mais grave. Ah ouais, franchement, ça serait... Ah non, mais qu'on puisse faire tout le choc d'un coup, ça sera extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez des orbes d'ion à 375 noyaux pour monter ces ISO 5 pour Doom ? Ça me fait de l'œil depuis la mise à jour, j'avoue, maintenant. Attends, t'as vu ? Attends, hein. Parce que je sais pas si t'as vu, tant je le redis, attends, quand même, on sait jamais. T'as pas vu ce qui va se passer, là ? Regarde, il va y avoir un calendrier, le 25 juin, 10 orbes ion. 10 orbes, tu fais de l'oseille, hein. Tu fais du ion, hein. 10 orbes, tu fais du ion, hein.
Il nous en avait donné au début des ISO. Je sais plus combien ils en avaient donné. 5, je crois. C'était, on avait fait tous 200 000. Hein. Un truc comme ça. Hein. Ça gagne pas mal. Si c'est pas plus. Donc, du coup, on était au choc. Événement bonus et flash. Bah, ah, et là, ouais. Ouais. Là, il y a une modification. Donc ça, c'est très intéressant. On va en parler, les amis. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Salut Nicopol, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Il y a un truc assez incroyable. Le mécanisme de vol de santé pour les personnages existants a toujours ignoré l'indestructible sur les personnages ennemis et les a amenés à ignorer les capacités déclenchées lorsqu'ils tombaient en dessous d'un certain seuil de santé. D'accord? Cela continuera d'être vrai pour les personnages actuels avec le vol de vie. Cerebro a dit qu'il y avait une grosse réunion sur le sujet des ISO la semaine prochaine à Scopely, donc maybe ils vont faire marche en arrière. Oh, ben en fait, cette semaine, ils voient les boss. Donc, c'est pas spécialement sur les ISO, c'est plutôt sur le retour de la commu, quoi. Ce qui va se passer. Parce que Cerebro aussi en a un peu, il en a un peu jusque-là, quoi. Là, en ce moment, c'est dramatique, quoi. Enfin, je veux dire, ils se font attaquer de toutes parts, hein. C'est de pire en pire. C'est surtout que là, c'est continu depuis 3 mois, là. Je crois qu'il en a marre. Hein. Donc il nous a dit, il nous a assuré, il nous a promis d'ailleurs, et c'est la première fois que je vous promets un truc, là je vous le promets, que le mal-être que vous avez et tout ce que vous dites, je vais remonter au boss directement, au boss des boss des boss. Donc à mon avis, je pense que les gens à qui il a affaire, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Les mecs avec qui, à qui il doit rendre des comptes, c'est des mecs qui en ont rien à foutre, je pense. Salut Tsukami, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Je pense que le délire, il est là, quoi. Salut Tom, comment il va? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, t'as raté pas grand-chose, on discutait tranquillou, on regarde on fait le récap. J'en suis qu'à 70 jours de jeu, ça me laisse le temps de détester le choc pour l'instant. À toutes les 2 heures, je suis là. Bon, ça va, si t'as un taf qui le permet. Le boss du cacaïde. Ouais, le boss des boss, ouais. Le boss des boss. Je crois que j'ai un caca d'œil, vous me le dites, hein, sur un caca d'œil. Salut Caron, bienvenue. À toi, merci pour le follow, tonton. Du coup, voilà, quoi. Donc, apparemment, c'est quand même tendu, hein. Apparemment, en interne, là, apparemment, ça pue quand même pas mal. Ils en ont quand même pas mal plein le cul. Et là, apparemment, il y a une visite des boss, et donc, voilà. Ça va remonter, donc à voir. Bon, après, ça s'est quand même passé en mode... je vais quand même vous dire un truc, c'est que quand il nous a dit ça, il y en a qui lui ont dit... est-ce que tu veux qu'on te fasse un document Word où on classe tout? Tu vois ce que je veux dire? Où on classe tout, et comme ça, tu sais de quoi leur parler. Il nous a quand même dit... non, ça va, je me rappellerai, tu vois. Donc, bon, on verra ce que ça va donner, tu vois. Mais bon, à voir. À voir ce que ça donnera. Mais en ce moment, même l'Envoy et tout, c'est Reddit 2, les gars. C'est Reddit 2, l'Envoy, c'est insane. Insane. Et puis Valley Fly, No Boots Alive, enfin, il y en a plein qui crachent à fond, là. Là, ça crache à fond. Tu veux dire que Cerebro va voir le Big Boss, celui qui a des dollars à la place des yeux? Ouais, mais en fait ils ont une réunion avec les proprios, quoi, je sais pas, les investisseurs. J'ai des doutes sur le fait qu'ils aillent voir le Big Boss en personne. Ah non, mais là c'est une réunion officielle, hein, y a pas de souci, hein. Ah si, je sais pas, t'inquiète. S'il dit, c'est qu'il y a bien un truc, Après, c'est pas pour ça qu'il en sortira quelque chose, hein. Des réunions comme ça, avant il y en avait, avant que ce soit avant cette année, il y en avait une toutes les semaines, tous les mardis matin. On avait des comptes rendus et tout, maintenant on en a plus depuis. Je sais même pas s'il y en a toujours. Ça a disparu comme ça du jour au lendemain, ça. Je pense qu'il va rien se passer, Cerebro dit toujours ça quand il y a un peu le feu dans la commune, mais il se passe rien après, je suis d'accord. Après, là, c'était peut-être pour calmer un peu les mecs de l'Envoy, parce que ça part sévère sur l'Envoy. Là, ça fait un mois et demi, là, que sur l'Envoy, c'est non-stop, hein, on va pas se mentir. Même si c'est le cas qu'il soit là, je suis sûr que ça va rien changer. Ouais, s'ils font des résultats, ça va être dur de dire que les gens aiment pas le jeu si les gens, ils achètent dans le jeu, hein, ça, c'est sûr. Ça, tu peux pas lutter, hein.
Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est le problème, il est là. Hein. Donc voilà. Après, tu peux pas en vouloir aux gens d'acheter, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est si les mecs, ils font les résultats, voire mieux que les résultats, ben si on lui dit qu'il y a des problèmes et que les joueurs, ça les gave, ben, ils vont pas comprendre, en fait. Ils vont dire, ben pourquoi ils dépensent, alors? Pourquoi ils achètent dans le jeu, en fait, tu vois. Eux, ils ont toutes les stats, en plus, tu vois, ce que nous, on n'a pas, tu vois, malheureusement. Je t'explique comment ça va se passer. Cerebro va leur dire, la commu gueule sans arrêt, les boss vont répondre, ben, ils gueulent, mais ils continuent à cracher de la CB, on change rien. Exactement. Et là, je te dis, hein, vu l'histoire, c'était quoi déjà? Vu l'histoire, merde. Ouais, donc là déjà, t'as des défis où il faudra des trucs d'ISO 8. Donc ça, tu vois, ça continue dans ce sens-là. Et il y a surtout l'histoire de ça là, le vol de santé qui va être supprimé et qui, du coup, avec le scaling, on pourra plus servir de ce genre de personnage. Potentiellement, on pourra peut-être plus s'en servir pour les prochaines DD, quoi. De toute façon, on va en parler de ça. Le pouvoir de la thune, eh oui, bah oui. Les compensations, il y en a toutes les semaines depuis Scopelis, c'est vrai. C'est vrai. En même temps, c'est hypocrite de dire que les gens achètent, parce que quand on voit les ressources en jeu, c'est pas étonnant qu'on achète. Donc je pense qu'en termes de foutage de gueule, c'est de l'hypocrisie profonde. Comment ça? Ah, tu veux dire... Que le mec, que le boss, il arrive et ils disent, ouais, on a des résultats financiers, donc il n'y a pas de raison, c'est ça. Et par rapport à ce qu'on nous donne dans le jeu, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Je pense que c'est ça que tu veux dire, oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Et après, même sans prendre en compte les ressources dans le jeu, gros, regarde les RS. Regardez l'évolution des RS depuis le début des RS, les mecs. Sans décoller. C'est un truc de ouf. On a de moins de... Bon, c'est de plus en plus la galère pour les ARS. En même temps, c'est... Ah merde, je viens de le lire ça. Tant que ça rentre, qu'est-ce que ça peut foutre que les mecs gueulent? Ouais, bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu cette histoire de vol de santé, les amis. De vol de vie. Qui va, du coup... C'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant, cette histoire. Compte tenu de la puissance du vol de vie, les futurs personnages avec le mécanisme n'auront pas la possibilité d'ignorer les capacités de protection contre la mort ou le seuil de santé déclenché. Voici les détails. Changer le mécanisme de vol de santé pour les futurs personnages afin qu'ils n'ignorent pas l'invincibilité sur les personnages ennemis et déclenchera les capacités passives du seuil de santé. Donc genre, si t'arrives en dessous de 50% de vie, ça te pose des buffs, les trucs comme ça, tu vois. Les personnages actuels, ça ne bouge pas, ça reste pareil, tu vois. Il y a deux raisons principales à ces actions. La façon dont le vol de vie fonctionne actuellement ne correspond pas à l'endroit où l'équipe veut utiliser le mécanisme à l'avenir, ou à la façon dont nous voulons qu'ils interagissent avec d'autres futurs personnages qui accordent l'invincibilité ou qui ont déclenché des capacités de seuil de santé. Ouais, c'est légit. En fait, en vrai, tu peux pas, ouais, c'est pas que par rapport à la DD, en fait, tu vois. Moi, j'ai vu ça comme une attaque à la DD, tu vois, mais en réalité, pas tant que ça. Puisqu'au final c'est juste que ça va plus ignorer l'indestructible et que quand le personnage il aura, s'il a un passif, s'il passe en dessous d'un certain pourcentage de vie, il récupère un buff ou il prend une provoque ou il donne une provoque ou un truc comme ça, ben ça fonctionnera en fait maintenant, alors qu'avant ça fonctionnait pas, c'est tout. Et du coup pour garder l'équilibre, ils vont pas modifier sur les anciens persos, donc en vrai c'est pas mal. En vrai, il y a rien à dire. En vrai, l'équipe de développement cherche à réduire l'efficacité des personnages plus anciens uniquement dans les situations les plus critiques et pense que laisser la fonctionnalité de vol de santé leur convient. Ok, donc en vrai, ça va peut-être dans notre sens pour l'instant en tout cas. J'ai bronzé, merci. Merci tonton. T'es le premier à le dire. Merci. Ça va ou quoi le Fab? Les RS noirs. Bon après, j'ai pas testé. Il y a des baleines qui disent que ça sert à rien. Bon après, moi je préfère tester, mais apparemment ça sert à rien. J'ai une question par rapport à l'arène. Il y a une arène débutant et globale où on garde notre groupe d'arène. C'est à la création de ton compte. C'est à la création de ton compte. C'est des shards d'arène, en fait, qui comportent, je crois, c'est 2000 joueurs ou 1000 joueurs. Et en fait, tu restes là-dedans. Alors, il y a un mécanisme qui change les shards de temps en temps, qui fusionne des shards. En tout cas, c'est arrivé une fois dans le jeu. Alors, je sais pas si c'est maintenant automatique, mais mon crâne est rouge, ouais. Je sais pas si c'est automatique maintenant, mais je sais qu'il y a l'année dernière, ils ont fait un... Au début de l'année dernière, ils ont fusionné des shards d'arène. Mais maintenant, je sais pas s'ils le font automatiquement ou s'ils ont continué à le faire ou quoi que ce soit. Ça avait fait un petit scandale, hein, quand même. Hein.
C'était pas, il y avait le problème, c'est qu'ils avaient, ils avaient Link des grosses shards en fait, des grosses shards d'arène, des shards d'arène du début du jeu où il y avait des mecs qui étaient pas forcément pay to win et qui se retrouvaient avec des mecs hyper pay to win, des trucs comme ça. Ça arrive régulièrement. Ah ok, je savais pas. Je dois être à 4 fusions en 3 ans. Ok, d'accord. Ça m'étonne pas. Je savais pas qu'ils en avaient fait plusieurs. Je me rappelle de celle de l'année dernière qui avait fait un scandale pas possible, mais tu vois, je demanderai aux autres CC, tu vois, s'ils ont vu qu'il y en avait eu d'autres. Mon crâne est rouge, pas du tout, il est bronzé. Une RS pour la réunion, mais ça marche, Choco, la petite RS. Mais après, on va ouvrir de la RS, les amis, je vous préviens, ça va swinger. J'annonce, ça va swinger un truc de malade. J'ai 37 RS, je... Oh, c'est du vert. Ça s'accélère avec le nombre de joueurs qui arrêtent. Ça m'étonne pas, mais je sais pas du tout comment c'est, ça fonctionne. Pour le coup, une petite pour David. Let's go les mecs. Faites-moi rêver. Oh, oh, oh. Ah non, j'ai cru que c'était Philavel et qu'on était bien. Mais pas du tout. Ça annonce du bon. Loïc, que pensez-vous? Je pense que tu devrais me tutoyer, tonton. Merci beaucoup. J'ai pris un coup de soleil, mais pas un coup de vieux. La théorie selon laquelle, si Joseph d'Arimatie a été trop con, le Graal, c'est un bocal en choix. Très intéressant. C'est fort possible. Si Joseph d'Arimatie a pas été trop con, le Graal, c'est un bocal en choix. On peut y réfléchir. On peut y réfléchir. Encore une RS, mais vous êtes chaud, les mecs. Pour David. Let's go, let's go, let's go. Oh, du bleu, putain, mais c'est pas mal. Ou ça pourrait être... Après, ça pourrait être un bocal en choix, mais ça pourrait être aussi une coupe. Voilà. Peut-être ratio par rapport aux joueurs inactifs. Je sais pas du tout. Bah en fait, l'année dernière, la première fois qu'ils l'ont fait, ils ont pris plein de shards. Et ils ont genre pris cette shard, ils l'ont mis avec celle-là. Pris celle-là, ils l'ont mis avec celle-là. C'était à la mano qu'ils ont fait ça. Tu vois? Mais maintenant, je sais pas du tout comment ils font. Aucune idée. En gros, quand il y a trop de joueurs qui ont arrêté dans une charte, ils fusionnent avec une autre qui a perdu des joueurs aussi. Ouais, bien sûr. Je comprends bien le principe, mais allez, encore deux RS, mais vous êtes trop chauds, les mecs. Waouh! Dégueulasse. Oh! Une 7 RS pour Darvel! Oh! Avatar? J'ai eu Avatar, les mecs. Voilà. Voilà, l'opening il est fait. L'opening il est fait, les gars. Donc voilà quoi. Ça c'est fait. Ça pointe. Le beau jeu, les amis. Mais je sais. Âme sensible, s'abstenir. Ce live est interdit au moins de 18 et surtout, ne tentez pas ça chez vous. Ce move est réalisé par un amateur. Voilà. Salut Jo, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? T'inquiète pas, je vais bien. Je vais buter cette araignée par contre avant qu'elle devienne grosse comme ma main. Elle est en train de s'installer sur ma lumière. Bon, ben écoute, elle est partie autre part. Bon, ben rip. Je sais pas où aller. Salut Funstrike, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Ouais, la forme. Bah, je suis crevé, j'étais à la mer aujourd'hui, donc le soleil m'a littéralement cassé le crâne. Le toucher des choix, bien sûr. Spider. Salut Mister Expert Bound. Qu'est-ce que ça dit au Canada? Comment ça va? Oh, tout à l'heure, je suis passé devant un magasin épicerie canadienne. Épicerie canadienne. Ils ont un site, tu peux commander. Ça s'appelle comment déjà? Merde. Le machin-d'érable.fr. Oh là 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 là. Comment je vais me commander du sirop d'érable? -érable.fr. Mais pourquoi il est con ce truc hein? Magasin canadien. Érable dans le Gard. Saveurérable.fr. Pop. Et regarde-moi ça, mon gars. Oh, qui c'est qui va aller faire une petite emplette là-bas dedans? Qui c'est qui va se faire une petite emplette là-bas dedans?
J'ai pas encore... Oh, il y a des thés et des infusions, c'est incroyable. Ils font du thé au Canada, mais ce pays est incroyable. La poutine. Quoi, genre, on peut commander de la poutine? Ah ouais. Ah, c'est dingue. Oh! Mais c'est pas de la poutine, ça, gros. C'est avec de l'alcool, ce truc. Mélange à sauce poutine, grain de cheddar court. Incroyable. Tu peux faire ta poutine toi-même chez toi, quoi. C'est fou, cette histoire. Épicerie salée, épicerie sucrée. Et là, qu'est-ce que tu vois? Sirop d'érable. J'ai des œufs pour faire des crêpes. Bah, je sais pas laquelle est la meilleure, mais je vais me faire conseiller par des Canadiens. Moi, j'aime bien quand elles sont en comme ça, là, tu vois. Comme ça, je les bois directement. Voilà, je la bois directement, tu vois. Celle-là, elle a l'air bonne. Spéciale dégustation, 10 balles les 250 ml. Tu peux te pignoler avec. Celle-là, c'est la spéciale pignole. Hein. 10 balles les 250 ml, je peux te garantir que tu te pignoles avec. Hein. Quel message de prévention tu devrais te faire? Je ne sais pas le gouvernement. Lolo, pour les nouveaux persos, on va les débloquer quand? Aucune idée, tonton. Je sais pas. Il y en a un qui commence le 9, là, en campagne. Et après, il y en a un qui est en choc... je m'en rappelle plus lequel c'est. Il y a un légendaire, oui. Ouais, c'est... Adam Warlock, ouais. Encore une pour David. Ah, salut King Burrito, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Je suis d'où dans le Gard? Je suis de l'Ardèche, moi. Mais je suis passé dans le Gard pour aller à Montpellier. Et sinon, je suis pas très... Moi, je suis à une demi-heure d'Alès, en Ardèche. La première canne. Vous connaissez, les gars? Tout ce qui vient du Canada, c'est bon, c'est vrai? Sans déconner? Kid Popcorn. Ils font des kits popcorn au Québec. C'est incroyable. C'est la meilleure news de la commu qu'on ait fait. Hein. Saveurérable.fr. Allez, tu sais quoi? Espace Pro? Non, quand même pas. Détends-toi quand même. Tu sais ce qu'on va faire? Allez hop, ajouter aux favoris. Un nouveau message? Et? Érable. Épicerie canadienne, on va mettre. Épicerie de René. J'aurais dû mettre mon mari René. Confiserie. Oh la vache de vin Dieu de bon Dieu. La canne. Oh la canneberge. Produit au bleuet, c'est dégueulasse ça, non? Bon écoute, je regarderai plus tard quand j'aurai vendu un enfant. T'es à Nîmes? Bah j'y suis passé tout à l'heure, ouais. À Nîmes. Je connais vite fait Nîmes. Bon, enfin vite fait, je suis passé une ou deux fois, je suis allé au ciné deux, trois fois. T'as 140 stocks, oh la vache. La poutine, ça vaut le coup? La meilleure, c'est la canne. Ah, la poutine. La meilleure poutine, c'est la canne. Les nouveaux personnages, genre en 2059. Justin Bieber, oh, c'est méchant, c'est méchant. C'est méchant pour lui, quand même. Il a des beaux cheveux, quoi. Les Canadiennes sont trop bonnes. Ok. Pardon, j'ai fait... Ok. Ok. Ok, ok, ok. Rangez les enfants, les mecs, là. Tout est bon sauf Céline Dion. Ah, tu sais pas, t'as pas goûté Céline. En cas de problème post-apocalyptique, une petite bombe nucléaire qui bouffe, je lui bouffe le gigot, moi. Hein. Je te dis, Céline ou pas Céline. Le fromage, le curd cheese, c'est du fromage en grain. Ah ouais, du fromage en grain. C'est en déconner. Du fromage, on appelle ça du gruyère, nous, ici. Ou de la mozza. Je compte aller m'installer chez toi le week-end histoire de profiter du toucher des choix. Ah bah écoute, tout est ouvert. Tu viens quand tu veux, tonton. Tu viens quand tu veux. J'ai sorti le grand voile. Et puis en plus, on pourra se faire un petit karaoké si t'es chaud. Je suis pas sûr que tu aies vu les derniers cheveux de Justin. Non, j'ai pas croisé Justin depuis quelques temps. C'est un super clip hors contexte, tu sais pas. Tu as jamais goûté Céline. Le fromage en grain, également appelé fromage en crotte. Ah, nous, on connaît pas ça. Et parfois, fromage chouic, squeak, quick, squeak, squeak. Nous, squeak, 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 c'est plutôt pour les vasectomies ici. C'est quand tu vas te faire squeak, squeak, c'est le dernier squeak, squeak, squeak que t'entends de ta vie en fait, tu vois. Voilà. Ah, c'est le bruit que le fromage fait sous la dent. Ah, nous, c'est le bruit du ciseau qui. Ouais. Un fromage cheddar caillé est frais. C'est un ingrédient essentiel de la poutine. D'accord. Il s'agit simplement d'un fromage cheddar qui n'a pas subi de pressage. Putain, bah toi, tu t'y connais en poutine, hein? La vache! Eh ben. On pourrait avoir l'adresse. J'amène le micro. Bien sûr. Bah, si après, je te partage mon micro si tu veux. Hein. Y a pas de souci. Hein.
Ah, les oreilles de Chris, je connais pas ça. Ils sont forts, ces Québécois, ils sont très très forts. Ils sont très très forts, bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Bah c'est... Ils roulent en voiture dans un pays où, où c'est quand même assez tendu, hein, je veux dire. Hein. Bah tu vois, par exemple, tu vois, il y a 50 000 vidéos des Russes où il y a des accidents de bagnole ou des gamelles en trottinette ou même à pied sur les trottoirs ou des gars qui passent en moto avec un ours à côté. Le Canada, c'est pareil, mais t'as pas ça, tu vois. Il n'y a pas autant de vidéos d'accidents. Il y en a, mais moins, tu vois. On n'a que le Nesquik, mais c'est le meilleur. Le jour que tu descends au Canada, au Québec, je vais t'accueillir. Ah, j'ai toujours rêvé d'y aller, tonton. Mais malheureusement, faut prendre l'avion. Et moi, tu vois, à partir du moment où t'as pas des roues qui touchent le sol, c'est compliqué. Tu comprends ? Le bateau, c'est... le problème des bateaux, c'est qu'ils sont jamais arrivés à mettre assez de sacs pour vomi dedans. Pour moi, donc du coup, j'ai arrêté d'y aller. J'en avais marre d'être dehors à me peler le cul et à gerber sur la proue. Voilà. Donc voilà. Je me propose pour garder la maison. Ouais, bah si tu veux, pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Mon garage surtout, c'est là où il y a mes 17 PC. Mes 22. Ouais, j'en ai combien déjà, faut demander. Vas-y, à la neige, c'est pas con. C'est pas con. J'ai les épaules pour en plus. Ah, je sais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais il n'y a pas que... Voilà. Des coups de soleil dans cet homme-là. J'ai peur du vide. Qui a pas peur du vide? C'est quoi cette question? Évidemment, qui a pas peur du vide? Genre, à part le mec qui a sauté en parachute de la stratosphère pour Red Bull, qui n'a pas peur du vide? C'est obligé. Enfin, je veux dire... t'es fou. Non. L'échelle, premier étage, ça va. Deuxième, ça passe. Troisième, il faut que quelqu'un la tienne, tu comprends? Ah ouais? C'est possible de pas avoir peur du vide? Je sais pas si j'ai... Oui, si, je pense que j'ai... Je pense que je suis pas fan du vide, ouais. Je pense que je suis pas fan du... Genre, je me mettrais pas en haut d'une falaise et je regarderais en bas, tu vois. Voilà. Je me mettrais pas en haut d'une falaise et je regarderais en bas, tu vois. Ça, je le ferais pas. Mais après, sinon... Quand j'étais jeune, je sautais dans la rivière d'à peu près 5 mètres. Ouais, j'ai pris des risques dans ma vie, c'est vrai. Mais après, voilà. Hein. J'ai du vécu, quoi. J'ai fait le fou. Jusqu'à la prochaine fois. Attends, j'avais pas vu ça. L'équipe s'efforce d'être cohérente pour s'assurer que les mécanismes sont visibles et facilement compréhensibles. Il y a quelques cas dans lesquels certaines capacités fonctionnent légèrement. Et merci Neren, qui s'abonne pour son troisième mois. Non, pourquoi je fais ça? Merci tonton. Avant de passer au jeu. Du coup, je suis allé faire les courses samedi après-midi. Et il y avait des promos. Il y avait des promos sur l'alcool. Et qu'est-ce qu'il y avait comme alcool? Du Pacto Navio, du rhum de Cuba, du rhum cubain, Pacto Navio, 30 balles, véridique, 30 balles la bouteille, ça vaut 45 entre 43 et 47 euros exactement en fait, et ça dépend des moments, et je l'ai eu à 31 euros les mecs. Comment te dire que je me fais quand même plaisir, et Neren qui met 200 bits, comment il va ce Neren, il va bien? Merci tonton, ça fait plaisir. J'ai pas peur du vide, je peux me regarder dans un miroir. Oh, pas mal. Pas mal, ça, pas mal. Ouais, je t'aime. Baptême de l'air à mes 18 ans, moi aussi. J'ai fait un baptême de l'air, j'ai fait de l'hélicoptère, quoi. Avec l'armée. Ouais, c'était pas mal. Mais ça me faisait pas peur. Après, maintenant, je sais pas. Soit l'élastique à mes 20 ans. Ouah, ça, non, jamais. Ah non, ça c'est mort. Soit l'élastique... Ah oh, non. Le nombre de mecs qui finissent... L'arcade éparpillée sur 10 mètres carrés en bas, là. Ah, c'est mort. Trop dangereux, ça. 25 baptêmes en hélicoptère avec mon grand-père à côté matin. Moi, j'ai fait de l'hélico, ouais. Ça va. J'ai pas peur du vide, je peux voir le vide dans la tête de mon ex. Pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup, Neren, pour le soutien, ça fait plaisir. C'est la famille. Il y a quelques cas dans lesquels certaines capacités fonctionnent légèrement différemment, comme la façon dont certaines attaques en chaîne peuvent être interrompues et d'autres non. Comme toujours, nous sommes ouverts à vos commentaires sur les changements. Bah c'est tout, je crois. Hein. Je crois que t'as fait le tour. Hein. Dak, waouh. Eh ben, 20 dieux de bon dieu, mais quel récap, les amis. Oh, j'ai du fion bleu. Oh la vache. Qui l'eût cru. Hein. Alors... Allez, on a des choses à faire, on a de l'RTA. L'RTA à reset? Non, pas encore. Lolo dans la vie 20-25 ans et dans les lives ça pourrait être...
Je rêve de saut en chute libre. Oh, ça, tu sais, pour, je crois que ça vaut pas cher, hein. Je crois que ça doit valoir, enfin, ça vaut pas cher. Pour 200 balles, genre, tu sautes, hein, je pense, hein. Bah après, tu sautes avec un gars derrière toi, si tu veux sauter tout seul, oui, là, c'est probablement plus cher. Enfin, tu vas devoir passer des, tu sais, ton diplôme, un petit peu comme quand tu traverses la piscine, tu fais le 100 mètres à la piscine, quoi. Mais sinon, si t'as un mec derrière toi, tu peux sauter, je pense, pour 200 balles, hein. En vrai, je crois même pas que c'est bien plus cher, hein. C'est comme le parapente et tout, hein. C'est 160, 200, enfin ici c'est 160 balles le parapente. Genre, j'imagine ça doit être 200 balles, 250 balles pour sauter en parachute. Voilà. Un truc comme ça. Le vide des abysses maritimes, c'est quand même un level au-dessus niveau angoisse. À moi, papier, j'y vais pas, hein. Papier, j'y vais pas, c'est mort. Alors, tu sais quoi, en parlant de ça, ça a rien à voir. Enfin, si, ça a un petit peu à voir. Je sais pas si vous avez vu, il y a un reportage qui est sorti sur Netflix sur... le trou noir qu'ils ont pris en photo. Je sais pas si vous avez vu. C'est incroyable. Le trou noir, il fait 47 milliards de fois la taille de notre soleil. C'est celui qui est au milieu de notre galaxie. Et c'est génial. C'est énormissime. Franchement, c'est vraiment cool. Je ne l'ai pas encore fini. Il me reste une quinzaine de minutes. C'est vraiment du régal. Hein. Vraiment du régal. Pour le coup, c'est vraiment du régal. J'étais en train de me demander... Hein, parce que j'ai quand même pas mal de ressources en RS. Et j'en ouvre pas. Ça monte pas. Hein, c'est ouf. Hein. Je suis acrophobe. Pas de parachute. Pas d'avion. Pas d'hélico. Et autre joyeuseté qui se trouve en l'air. Même sur un pont, je me mets au milieu. Ah, moi aussi. Hein. Moi aussi. Hein. Bah, peut-être pas sur un pont, ça va, mais... si je pouvais voler seul, franchement, je le ferais. Non-stop. Ah, tu peux le faire, mais qu'une fois, je pense. Vol en montgolfière. Oh non, non. Non, non. T'as pas de système de sécurité. Non, ça me plaît pas, non. Non. Ah non, 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 c'est mort. Ah non, c'est pourri. Ah non. En plus, t'es obligé de rester debout, tout ça, là. Ah non, non, non. Non, ça me plairait pas, ça. C'est un délire que je comprends pas trop, ça. C'est beau à voir quand t'es en bas, mais être dedans, non, je vois pas. Non, ça me plairait pas trop. Après, c'est calme, c'est tranquille. Si t'as moyen de monter une petite bouteille de blanc, une petite bouteille de Ubi, par exemple, bon, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais sinon, sinon non, tu vois, non. Non, franchement... Bon, je vous préviens, j'ai pas choc. Hein. J'ai pas choc, je suis à 23 millions. Et, c'est combien les restrictions? Les... Putain, je sens que je vais même pas avoir le... Ah, mais c'est 26 millions. Ah si, c'est bon, ça devrait le faire. 26 millions. Ouais, ça va être chaud, quand même. Faut que je gagne. 1700 balles pour sauter tout seul. Je donne envie de visiter l'Ardèche, mais bon, j'ai pas de cheval. J'ai l'habitude d'un truc qui s'appelle le train. Ouais, ici, y a pas de train. ici, y a pas de train, tonton. T'es obligé de venir en voiture. Ou en bus. Ou à pied. Pour une photo de trou noir, suffit d'aller chez le proctologue. Ils ont peut-être pas pensé, hein. Ils étaient que... qu'une poignée de 1000 ou 2000 scientifiques, ils y ont peut-être pas pensé, tonton. Ils ont peut-être pas pensé, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'ils auraient dû te demander. Ils auraient dû te demander. Mais je laisserai une petite... je laisserai une petite appréciation et je mettrai « Vous aurez dû demander Apollo. Il vous aurait montré... Il vous aurait montré son trou noir. Ça aurait pris deux secondes, les gars. La peur des cons, ça passe. Parce que je fais souvent des crises de panique sévères. Ah ouais. Devant BFM TV, même... même tout à l'heure, je me suis fait insulter par un gars dans une voiture, j'ai pas compris pourquoi. Le mec, il m'a fait des doigts, il était énervé et tout, mais je sais même pas pourquoi. Je te jure, on sortait du KFC, on prend un rond-point, il y avait personne dans le rond-point, le mec est arrivé comme une bombe à côté de moi. Et je sais pas, il a pété un câble, le mec. Donc du coup, ben moi, évidemment, j'avais mon onion rings dans la bouche, je le regardais s'exciter. Et puis voilà, il a arrêté de s'exciter, j'ai pas compris. 27 millions ? Ouais, ça va le faire. J'ai soif, c'est incroyable. J'aime pas vraiment quand il y a les brûleurs en route. Laisse tomber, mais par contre, c'est trop beau en montgolfière. Ah, d'accord. C'est pas calme quand il y a les brûleurs en route. Ah. Oh. Top 11%. Difficile de choc au bord de la mer. Totalement. Bah, surtout, je suis parti sans batterie, donc j'ai pas choc. Et parce qu'il fallait bien que j'ai mon GPS pour rentrer, quoi.
Hier après-midi, j'ai fait les courses, donc j'ai pas choc. Hier soir, j'ai fait un petit plaisir à ma chérie. J'ai fait des magrets au barbecue avec une petite sauce au miel. Donc j'ai fait mariner les magrets. J'ai pris un bol. Dans le bol, j'ai mis des échalotes ciselées, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et du miel. J'ai mélangé ça. J'ai fait mariner les magrets. Après, je les ai fait cuire au barbecue. J'ai fait revenir la sauce à la poêle avec des petites pommes de terre aux oignons et une petite bière fraîche sur ma terrasse. Et hier c'était vacances. Surtout après le dernier move de Scopé Freak, il est énorme. Est-ce qu'il fait 47 milliards de fois la taille du soleil? C'est ça, parce que s'il est plus petit, forcément ils vont vers le plus gros. Merde, j'ai payé 25 comme un connard. Photo de trou noir, tu regardes ça, le bordel, aspire ton arme. Ah, je suis passionné, moi, j'adore. Franchement, c'est un délire cette histoire. C'est un délire. Et là, il n'y a pas longtemps, je sais pas si vous avez vu, il y en a deux de trous noirs, ils ont fusionné. Vous êtes au courant? Ils le disent pas, ça, sur BFM TV. Ils préfèrent raconter que les KFC sont en faillite alors qu'on s'en bat les couilles. Mais c'est incroyable. Ils ont enregistré, en fait, il y a deux trous noirs qui ont fusionné, mais c'est fou. Écoutez sur Internet, parce qu'ils ont fait... ils ont enregistré le son que ça faisait. C'est dingue. Et c'est à des milliards d'années-lumière. Hein. Ou des millions, j'en sais rien, mais c'est loin, quoi. C'est même pas dans notre galaxie, d'ailleurs. Si je me rappelle bien. Et en fait, tu les entends, ça fait 8, 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
Pas tout le monde, mais c'est vrai. Mais ceux qui n'aiment pas, leur mère aime bien. Et du coup, voilà. Du coup, ça arrange le truc, quoi. Il dit que la DD3 et 4 avec la Pimtex, c'est plus sympa. Oh, vain Dieu, la DD! Il faut que je la fasse. Je l'ai pas fait hier, en plus. J'ai pas pensé. Faut que je fasse la DD. Bien vu, les gars. Bah, attends, on commence à peine... On commence à peine à jouer, là. Je m'en rends compte, là. Faut que j'arrête de raconter ma life. En fait, on fait des live just chatting. Hein. On joue pas. Non, mais c'est la vérité. Hein. On en est là, les mecs. Hein. Bon, c'est un groupe de parole. C'est la vérité, ce qu'on disait la dernière fois. On est un groupe de parole, quoi. T'as ceux qui parlent pas sur le chat. C'est ceux qui bouffent tous les mignardises derrière pendant que tout le monde... pendant que les autres, ils se plaignent. C'est... Oui, mais... c'est quand même incroyable. Les restrictions d'Iso8. Franchement, moi, j'y croyais pas. Ils nous ont trompés, les bâtards. Je m'en remets pas. Il dit que la DD3 et 4 avec la Pimtex c'est plus sympa. J'aime bien relire les phrases en plus, j'adore. Il dit que la DD3 et 4 avec la Pimtex c'est plus sympa. Bonjour, je m'appelle Jeuf. Bonjour, Jeuf. Voilà, moi, j'ai quelque chose sur le cœur, mais j'ose pas le dire. La dernière fois, il y avait un choc. Oui, il y avait un choc sur Spider-Man Miles Morales. Je l'ai tryhard. Je voulais pas le dire, mais c'est dur. Mais oui. Je l'ai tryhard. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais seul ce jour-là et... Pas de live de Lolo. Voilà, j'ai tryhard le choc. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, Jeuf. Il faut se libérer. Tu peux mettre le lien des news en FR. Le lien des news de Marvel Strike Force, tu veux dire? Du site Marvel Strike Force? Au pire... Ah, elles n'ont pas été traduites, tonton. Elles ont été traduites en aucune langue pour on ne sait quelle raison. Je les ai mis avec Google. Je les ai traduits avec Google. Donc voilà. Au pire, joue jusqu'à 23h. C'est vrai. Oh, il y a une Philavel en face. Biche, j'en étais sûr. Je sens que cette équipe, quand je vais tomber dessus, va me faire péter un câble. Quand on mange des petits fours, on ne parle pas. On ne parle pas la bouche pleine. C'est normal, c'est vrai. C'est vrai. On ira acheter des ciseaux bleus au supermarché. Oui, si tu veux. Ah non, elles n'ont pas été traduites, ouais. Sans explication. Parle pas de ciseaux aussi facilement, Phil. Tu risques de généreuse. Bon, les gars, je vous ai pas dit... J'ai investi. J'ai acheté une ampoule LED. Je peux changer la couleur. Donc du coup, j'ai une petite télécommande. Donc du coup, j'ai une ampoule bleue et une ampoule rose. Ça avance, hein. Ah, mais on n'arrête pas les investissements. 5 euros. Voilà. Donc je suis assez content. Sachant que l'autre, la bleue toute pourrie que j'ai, m'a coûté plus. Et que c'est de la merde. J'aurais su, j'en aurais pris deux comme ça. Mais bon, évidemment, je me suis fait arnaquer. Au magasin du coin, là. Et donc voilà. Faut pas respirer la compote, ça fait tousser. C'est vrai. C'est pas faux. Est-ce que je vais arriver aux 27 millions, les potes, ou pas? Je crois pas une seconde. Ça va être chaud, là. Une rota de millions. Je suis un peu dégoûté. De toute façon, c'est sûr et certain que je vais... J'en referai peut-être une, mais j'en referai pas deux. Ça, c'est sûr et certain. Parce que dans l'état où je suis, je vais dormir à une vitesse. Mais ça va être insane. Et je pense que demain, je me lève pas avant 14h. En plus, je sais pas pourquoi, je suis malade en ce moment. J'ai le nez tout le temps bouché, j'ai mal au crâne tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est les allergies ou le fait que je boive pas assez d'alcool. Je comprends pas. Je préfère quel bar en Ardèche? J'aime plein de bars. Je suis pas un gars qui aime bien les bars, mais après je connais beaucoup de gens, donc du coup il y en a plein chez qui j'aime bien aller boire un coup. Quoi. Quand j'y vais pas souvent, mais 26 millions, faudrait une autre rota. Hein. Faudrait une autre rota, les mecs. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh! On l'a gagné ou on l'a perdu, là? On l'a gagné, je crois. On était contre des Français, je crois. On l'a gagné de pas beaucoup. Ils étaient chauds, hein. La Free and Screw. Ils étaient super chauds, les mecs. Alors... Je crois qu'il me reste une arène, aussi. Alors, moi, que je joue en arène ou que je joue pas, je suis 300e. Hein. Voilà, comme ça, c'est vite vu. Je le fais pour le skin. Tout le monde est malade en ce moment, mais pourquoi? C'est quoi, le délire? Il se passe quoi, en ce moment? C'est les chemtrails? Non, mais c'est bizarre.
Franchement, moi aussi, je connais plein de gens malades. Je sais pas pourquoi. Moi, en ce moment, je suis malade, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai, en fait. Les bars au menu. Les bars, tu parles des poissons, c'est ça? Non, j'aime pas ça. Non, non, non. Non, je mange pas de poisson. Hein. Le vaccin, je me suis pas fait... Je me suis pas fait vacciner, moi, hein, les amis. On est en Ardèche, ici, c'est pas encore arrivé. Comment allez-vous dans le Doom Raid depuis la mise à jour? Ça va. Ça va. Looks good. Ça a l'air ok. En difficulté 1, ça a l'air d'être la même difficulté. C'est parce que tu as pris une cuite? Non, même pas. Non, non, non. Enfin, si, c'est le week-end dernier, j'ai un petit peu bu, mais... J'ai été hier pour le vacciner, pour le vaccin. J'ai mal dans le bras. Ah ouais, c'est normal, hein. C'est un mix de Javel et de paprika. C'est la météo? Ouais, je pense aussi. J'en sais rien. Tout le monde est malade, c'est l'enfer. J'aurais dû demander au mec qui m'a fait un fuck dans la voiture s'il était malade tout à l'heure. On aurait peut-être eu un point en commun. Peut-être qu'il a des allergies lui aussi. Putain, j'arrive pas à écrire, j'ai envie de chialer. Beaucoup de gens sortent aussi avec le déconfinement. C'est vrai. Bon, après, est-ce que ça change de d'habitude? Enfin, je veux dire... Par rapport à la maladie, tu penses que c'est les gens qui nous rendent malades? C'est vrai, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Pendant 2 jours, ne te mets pas sur l'Apple où tu as eu le vaccin car tu risques de douiller. Putain, mais quel enfer, cette histoire. Moi, on m'a toujours pas vacciné, moi. Moi, pour l'instant, tant qu'ils toquent pas à la maison et qu'ils me disent... qu'ils me braquent pas d'une arme. Non, mais pour l'instant, personne n'a demandé. Je me demande si un jour, les patrons vont pas pouvoir t'obliger à le faire, quoi. Si c'est le cas, je serai dans la merde. J'en ai 21 000, alors que tout à l'heure, j'en avais... C'est bizarre, ça. Il paye ma tête, lui. J'en avais 16 000, je suis passé à 21 000, c'est incroyable. Alors, donc ça, c'est pas mal. De l'énergie, il faut qu'on fasse un peu d'RTA. Éventuellement, si c'est possible. Qu'est-ce que je farme? Ben rien, j'ai rien à farmer. Rien à farmer. Farme de la merde. Je farme du oracle cri. Ouais. Ouais. Mmh. Oh, j'ai 100 pile poil. Pac. Choc à pic. Oh. Oh là là. Quel monstre. Oh putain, je suis en late game. Je suis en late game, les mecs. Oh là là. Je suis à deux doigts de me... Oh la vache! J'ai envie de me masser les épaules tellement je suis un monstre. Alors... Putain, je suis en galère de partout, là. Avec ces conneries de Red Doom de merde. Mexico! Vous connaissez cette chanson? Enfin, incroyable. J'ai eu Fizer. 16 000, c'est les bouts de WandaVision que tu avais. Ah! Bien vu, tonton, bien vu. Tu as vu le Stade de France à Paris vendredi, il y a eu des news à ce sujet. La file d'attente était de 4 heures. Pourquoi il y avait quoi? Ah, ils vaccinent au Stade de France? Non, non, j'ai pas vu. Tu sais, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je n'allume jamais la télé. Hein. Mais littéralement, hein, genre, je ne regarde jamais la télé. Et du coup, non, je suis au courant de que dalle. C'est demain, il y a une bombe nucléaire qui tombe quelque part. Si on me le dit pas, je ne serai pas au courant. C'est dramatique, hein, mais non, non, j'avoue que je suis pas du tout le... Il faut que j'achète le skin, ouais. Je suis pas du tout ce qui se passe, ouais. Parce que j'avoue que ça me déprime. Les infos me dépriment au plus haut point, moi, donc je préfère pas les regarder. Alors, on va supprimer toute cette merde. Ok. Bon, deuxième run de DD. C'est quoi ce gros Boundless Entertainment qui nous mettent de partout? Ils sont si fiers que ça ou quoi? Alors, déjà j'arrive. Le personnage phare de mon équipe vient de se faire stun. Tu vois? Le Cristiano Ronaldo de mon équipe vient de se faire stun. D'accord?
Le Giroud de mon équipe vient de se faire stun. Comment on fait? Ah oui, alors je voulais casser un petit peu des petits personnages qui n'avaient pas beaucoup de vie, j'avais l'impression. Je te mets du doigt. Coup de doigt. Oh non, pas l'aveuglement. Bon, je suis déjà en train de me faire défoncer. J'ai pas commencé à jouer. Il y a d'autres... Non mais sinon, c'est... Sinon, c'est... sinon ça va? Sinon, non mais vite fait, il y a d'autres personnages sur qui taper ou... On en est là, les mecs. Le respect a disparu. Faut que j'achète le skin, putain, c'est récent. J'ai pas look la télé non plus, j'ai pas la téloche. J'ai tiré 6 RS, fait la belle. Donc j'ai acheté l'ordre. L'offre, pour la débloquer une fois. Ah ouais. Ouais, non, ben écoute, je l'ai tiré 4, moi, je suis content. Ah, cette fois, c'est Invisible Woman qui s'est fait stun. J'ai l'impression qu'il y a un gros focus sur Invisible Woman, non? Si je ne m'abuse. Tiens, coup de doigt. Ouais. Ok. Ah, bon, mieux déjà. Voilà. Ah, d'accord. C'est pas de chance, ça. J'espère que j'ai un shield, mais rien n'est moins sûr. Bam! On fait des dégâts! Faut que je tue des DPS, là. Alors, je suis un peu déçu, là. Je suis un peu déçu du Kappa Block sur le personnage phare de mon équipe. Sur le Giroud de mon équipe. Ok, bah c'était sympa, franchement, ce run était vraiment sympa. Bon, je suis en train de le démonter quand même, hein. Il va prendre des dégâts avec les saignements encore. Je peux jouer? Sinon, vous m'appelez encore. Hein. Putain, il y a trop de personnages, ils abusent, ils mettent trop de persos, c'est assez... J'ai fait deux sorts! C'est la dernière DD que je fais de ma vie. Hein. Véridique, c'est la dernière que je fais de ma vie. Hein. Record, DD4, note 15, le plaisir, deuxième run, allez, on se fait plaisir. Non, il faut que j'arrête ce mode de jeu. Il me dégoûte. Yes, j'ai eu un 7 RS, le déflagrateur ravageur. GG, ton sang, c'est le trou noir. Salut Toriwa, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Tirage RS, je l'ai eu 4 dans une orbe de base. Est-ce que ça vaut le coup de la tirer plus? J'en sais rien, de toute façon maintenant chaque perso qui sort éclate celui d'avant, donc bon, après je suis pas non plus riche à foison de 5 RS, hein. J'en ai que 4, mais et je l'ai déjà eu 4, donc j'ai envie de les garder quand même, hein. J'ai quand même envie de les garder. Après j'ai pas mal de quoi monter, hein, en vrai, mes RS. Ah, faut que je fasse des arènes en temps réel, putain, ça a du kiff, ça. Il y a plus rien, c'est what the fuck, ça recommence quand? Salut Overall, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Personne m'a dit GG pour le Pacto Navio à 30 balles. Tu vas voir combien ça vaut sur internet? 41,90. Oh, 32 balles. Ah bah, Carrefour. 42, tu vois, c'est ça. Hein. Pacto Navio, c'est plus de 40 balles. 39, 38. Ah non, c'est du Don Papa, ça. 40. 41. Ouais, pas mal, hein, quand même, hein. Je l'ai eu à 31, me suis fait plaisir. Franchement, 31 balles, je m'épate. Bon, je suis si rouge que ça. Ah la vache, je te jure, un feu de signalisation. Je te jure, je suis un feu de signalisation. Et encore, on voit pas bien avec la webcam, mais j'ai plein de couleurs différentes. J'ai du rouge, du blanc, du marron. Mon nez est rouge sur le côté. Enfin, c'est l'enfer, hein, l'enfer. Moi, quand je bronze bizarrement. Je sais pas ce qui s'est passé dans mes gènes. Après, je suis né novembre 86, hein. Hein, donc novembre 86, Tchernobyl, c'était quoi, en avril, c'est ça, en mai? En mai, je crois. En mai 86, Tchernobyl. Non, c'était encore Tchernobyl. Tchernobyl. C'était en mai 86. C'était en mai, non? C'était en avril. Le 26 avril 86. Donc voilà, hein, tu te dis que ben, on en est là, quoi. Hein. Voilà. Je pense que littéralement. Je pense que j'ai douillé, quoi. Je pense que j'ai pris la totalité de. Pourtant, j'habitais dans les frontières françaises, je comprends pas. Toi, c'est décembre 86, sérieux? Ah bah toi aussi, t'as des trucs bizarres, non? Non, je sais pas.
double téton. Moi, j'ai pas de double téton. Hein. Ou alors, je l'ai pas vu, mais... Défaite. Qu'est-ce que c'est que cette limonade? T'as plein de trucs bizarres. Ah, c'est... Ah, je comprends. Je te comprends, je te comprends. Regarde mes narines. Regarde mes narines. Si, si, je te jure. Non, c'est pas refait, gros. Regarde ces narines. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Je pense que je suis dans le top 10 des plus grosses narines de France. Hein. Sans déconner. Après, tu t'étonnes que j'ai des allergies. Mais je t'explique, c'est un aspirateur. Mes narines, c'est un aspirateur. Le moindre pollen, elle l'aspire à des kilomètres à la ronde. Je sens un barbecue à 12 kilomètres. Je te le dis. Voilà, je peux te dire direct si le mec a piqué ses merguez ou pas à 12 bornes. Donc, il y a un moment, je vais te dire, on est... Enfin, voilà, quoi. Il y a une raison. Enfin, voilà. 86 ont pris cher. Oh, bah, ceux d'après aussi, t'inquiète. Hein. Ils ont dit qu'il fallait pas manger la salade en 86, mais valait mieux pas la bouffer pendant 10 ans, je crois. C'est... Salut, ça s'appelle Groot. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut quoi? C'est pas mal, niveau narine, c'est vrai. On peut faire un fight, hein. Attention, ça peut aller très très loin. Hein. Octogone de dingue. Je peux mettre deux tampons dans la narine. Oh, large. Oh, facilement. Oh, oui. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, non, mais on peut... Je peux facilement cacher des trucs, hein. Ouais. Le mec contre moi s'est mis en automatique. Ouais, souvent c'est ça. Hein. Ah, ça fait plaisir l'automatique. L'automatique, ça fait plaisir. Ah, j'ai fini mes daily. Voilà. Le pass du strike. Le pass. Bon, j'ai 4 millions. Soit l'équivalent de 4 millions pour monter ma Colin Wing demain. Alors attends, parce que moi, il me faut que j'ai le 26 là quand même. Parce que sinon, je ferai mieux. Hein. Faut que j'ai le top de 3%. 55. Ah non, ça me manque 3 éclats pour la débloquer. Ça va. D'accord. Donne des RS systématiques maintenant. Tu sais que tu tires pas des RS si tu fais le top 100 à chaque fois. Bon après, top 100. Ah. Je veux dire, à un moment... Compliqué, quoi. Des cookies pour le top 100, peut-être? Alors... Ah, bientôt 4 étoiles, là. Bientôt 4 étoiles. Ça fait plaisir. Putain, j'ai envie d'ouvrir des orbes, là. C'est incroyable, cette histoire. Alors... Attends, je vais commencer par le Red Fatalis, vu que moi, je passe pas le mystique tout seul. Ah. Alors, attends. Non, je le passerai pas, c'est sûr, le boss. Et 604 teams, je fais des 5. T'es à 37 millions de... T'es à 37 millions de chocs. Tom, t'es vénère. A plus, David, merci de passer ton temps. 37 millions de chocs, t'as fait. Ben, il y a un truc. Il y a un truc qui est insane, c'est que c'est bizarre, parce que moi, je suis persuadé que vendredi et samedi, j'ai quand même fait pas trop mal de rota, mais j'ai pas fait de points. Je sais pas pourquoi. C'est assez incroyable. Il reste 10 persos, quand même. Je trouve que j'ai pas fait beaucoup de points. Et ça me déçoit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait si peu de points. Du coup, un peu de tristesse à ce niveau-là. Que je voie pour passer un cinquième légendaire pour la DD4. Je crois que je peux passer en Black Bolt. Ah, t'as trouvé que tu faisais beaucoup de points, toi? Ton mode de jeu préféré, c'est le raid? Ouais, c'est cool. Après, moi, le choc, ça me plairait si on pourrait tout faire d'un coup. Hein. Je te l'avoue, ce qui me déplaît, c'est comme le choc est fait, en fait. Mais moi, j'aime bien préparer mes teams pour le choc. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de le faire. Tu vois ce que je veux dire? En plus, maintenant, je fais aussi du Lost Centuria, donc c'est pareil, il faut que je joue à Lost Centuria tous les jours. La deuxième chaîne, machin, et je vais reprendre le taf, probablement. J'ai dit, t'as passé le Tatanos 6RS? Je sais pas si dans le futur, ça va être si fort. Mais c'est sûr qu'après, c'est pas le pire des personnages, hein. Mais je sais pas si dans le futur ça va être très fort. Hein. C'est une bonne question. Attends, on va tomber ça vite fait.
sais pas si dans le futur ça va être fort, je t'avoue. Je pense que là, ça va commencer à... Là, le scaling, il est tellement fat que... Les stats des personnages qui sortent sont tellement, sont tellement insane que je sais pas si, si monter un Thanos, ça vaut encore le coup. Thanos, bah Thanos, c'est fort. Hein. La BO, c'est toujours aussi fort. Hein. Si ZRS, c'est sûr que ça vaut le coup. Hein. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de dépenser des ressources comme ça dans Thanos, alors que là, il y a... L'Infinity Watch qui va sortir et qui potentiellement va arracher littéralement elle va pas me crever. Bon, on est bon niveau quand même. C'est ça le truc. Alors que potentiellement là, t'as une team de fous furieux quoi. Délire, il est là quoi. Je raid manuel difficulté max. Je raid auto difficulté max. Bah en fait, il n'y a que quelques nodes qui méritent de ne pas être auto. Mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart, tu peux les auto. Mais il y a juste une ou deux nodes où au début, par exemple, tu dois jouer, mais après, ça ne sert plus à rien, sinon tu peux pas les one-shot. Genre moi, je one-shot toutes les mutants en auto, toutes. Après, des fois, il y a une RNG qui fait que le boss, je vais pas arriver à le tomber du premier coup, mais la plupart du temps, je le tombe du premier coup. Easy, hein, en plus. Hein. Littéralement, facilement. Hein. Là, si je tombe le fatalisme, bon, ça va tomber. Hein. Ça devrait bien se passer. J'irai loin, quoi. Donc voilà quoi. Difficulté max de quel raid ? Moi, Fatalis. La dernière fois que j'ai testé, je me suis dit, est-ce que... Ebonimo, il galère, tu vois. Je me suis dit, Ebonimo, ça galère grave. Hein. Vivement que j'ai Fatalis. Et je me suis dit, est-ce que si je mets Thanos au milieu de... d'Ela et d'Ebonimo, ça passe mieux ? Mais pas du tout. Genre, c'est... La réponse était juste non. C'était encore pire. Après, on n'a pas tous les mêmes teams. Oh ben, c'est... Je ne fais que te répondre, moi, perso. Hein. Je suis pas du tout en train de dénigrer quoi que ce soit. Hein. Orniac la 20, je vais, c'est dans ton coin ? Mais totalement ! Orniac ! Bien sûr, c'est dans mon coin, c'est à une... Allez, une demi-heure, ouais. Une demi-heure chez moi. C'est le côté obscur, c'est un côté que j'aime un peu moins, mais c'est... Ouais, bien sûr. C'est pas... Orniac, c'est cool, hein. C'est Valampandar que j'aime pas trop, moi, mais... Mais ouais, bien sûr, je connais très bien... Ouf, ça pique. Je connais très très bien, ouais. Par contre, je sens que tout va être supprimé par la femme invisible dans peu de temps. Ah non, ça va, la shield. Ouh, ça va piquer, ça. Oh la vache, le Loki qui s'est fait one-shot. Sa mère. Orniac, c'est à côté de chez moi. J'avais mon ancien chef de cuisine qui habitait, je connais très bien. Je vais pas arriver à le buter. Hein. Le shield qu'elle met, elle a tellement de vie. T'as vu, le shield qu'elle met, quoi. C'est insane. Incroyable. Et Sloop. Ah, je vais pas le tuer. Hein. Bah après, elle va pas tout. Ouais. Pour Gamora, les T4, c'est lesquels les meilleurs en premier ? J'ai pas regardé la nouvelle Gamo, je sais pas. Là, cette semaine, il y a. Demain, je vais beaucoup, beaucoup travailler. Demain, j'ai deux vidéos Lost Centuria à faire. En termes d'MSF, j'ai le gros plan de Colline. J'ai le gros plan de la nouvelle Gamo. J'ai le gros plan de la nouvelle Nebula.
Donc tout ça, ça sort cette semaine. Il va falloir que je regarde. Je n'ai pas eu le temps du week-end. Je me suis fait embrigader dans les courses et tout ça. Et puis il fallait qu'on parte un peu avec ma copine. Ça nous a fait du bien de sortir un peu du quotidien ardéchois là. Et du coup, j'avoue que j'ai pas... je sais pas, tonton. Ah putain, il y a une... Personne récupère sa vie là. C'est quand tu veux tuer là. Personnage de merde là. Et Bonimo, c'est vraiment de la merde. Hein. Putain, c'est... Moi, galère ce truc. À part en DD, là. Ah, bah voilà, ça y est. Ah, bah. Scoop. Ah, au moins, tu es le carnage, j'espère, en 15 secondes. Oh. Pas de soucis. Le derge de Hulk. Tu fais quoi comme métier? Je vends des chaussures. Je suis vendeur dans un magasin de sport. Mais là, je suis en arrêt parce que je me suis fait opérer du dos. Parce que j'avais un disque qui était tellement écrasé que mes deux vertèbres se touchaient en fait directement. Tu vois, ça frottait comme ça. Et donc, ça faisait mal. Et donc, ils m'ont levé les deux vertèbres et ils ont mis un truc en caoutchouc dedans pour que je puisse continuer à vivre décemment, quoi. Voilà, tout simplement. Je sais pas si ça va passer là. C'est pour ça que j'ai essayé de récupérer quelques basiques pour voir, parce qu'autant j'arrive à le passer, mais ce serait bien la première fois que ça m'arrive. Et donc du coup là je suis en arrêt parce que je récupère, je fais beaucoup de kiné, de marche et tout. Si je la tue, elle, je suis pas trop marrant. Et là, j'ai rendez-vous vendredi à Lyon pour voir autant je vais devoir rattaquer là. Bah c'est pas sûr parce que mon kiné est pas trop fan de mon état pour l'instant. Donc il va lui faire un petit papier, mais bon, vu que c'est pas mon kiné qui décide. Je voulais dire streamer ou youtubeur. Ah, pas du tout, c'est pas du tout mon métier, ça c'est une passion, tonton. Ah ouais, bah. Ou sinon, faudrait que j'habite en Thaïlande pour en vivre, hein. Je te le dis direct, hein. C'est. C'est. On se fait pas mal taxer en France, je sais pas si t'es au courant, et puis même sans ça, YouTube prend plus de 60% de ce que tu gagnes, enfin c'est l'enfer, hein. L'État en prend 22%, donc au final tu prends pas grand chose, toi. Au final, tu rinces tout le monde, quoi. Mais bon, c'est l'État français, ça. Tu peux pas lutter. La douleur n'est rien, le seul plaisir compte. Ah, le plaisir de l'opération, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas le plaisir de la bouffe de l'hôpital, ça, c'est sûr. Et bam! Putain, l'électro, elle a deux de vie, quoi. Dommages collatéraux ou pas? Oh, elle va quand même jouer, tu crois, toi? Elle me défonce quelqu'un, en plus. Tu as un salaire de crêpe fin. On se nourrira pas de poutine tous les jours. Je le fais bien. Ah ben je me régale, j'adore. Là ma deuxième chaîne est bientôt monétisée, là c'est sûr, on a dépassé je crois les 800 abos tout à l'heure. Plus que 200 et elle part en monétisation. Et c'est let's go quoi. Le surfeur faut le monter G15. Bouah. Je sais pas. C'est pas mal, mais genre Cresserelle, c'est plus fort quand même. Cresserelle, c'est plus fort. Ouais, je sais pas. C'est pas dégueu, tu vois, mais c'est pas non plus insane, quoi. Cresserelle, ouais. Moi, je l'ai G15. Bah, après, je l'ai G15, mais je l'ai que 3 étoiles. Il va passer 4 étoiles et il est quand même déjà cool. Il a des stats de ouf, hein. Mais par rapport à Cresserelle, quand même, il me dit, hein. Passerelle, c'est vraiment insane. Hein. C'est vraiment... Ça fait vraiment des dégâts de ouf, quoi. Après, c'est quand même cool. Silver Surfer, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu un sacré coup marketing derrière lui. Si tu le montes G14, je pense que c'est bien, déjà, tu vois.
Le G15 est pas... Cresserelle par contre, ouais, il vaut mieux quand même. Cresserelle, c'est vraiment très fort par contre. C'est vraiment autre chose. Mais déjà, si tu le montes G14, déjà t'es pas mal. Déjà t'es pas mal. Le surfeur devait tout détruire et finalement il est déjà obsolète quasiment face au nouveau qui arrive. Ouais, alors obsolète peut-être pas quand même, tu vois, mais oui, il a pris un coup de vieux en 2 mois. Je suis d'accord avec toi. Oui, ouais, c'est vrai. Il a déjà pris un coup de vieux, ouais. Ouais. C'est, bah, on commence à avoir l'habitude, hein. C'est ça, tonton, hein. Ça se joue comme ça maintenant, hein. Ça la joue comme Beckham, hein. Ça prend la caisse et ça se barre, hein. C'est pour ça qu'il faut rien acheter, hein. Sinon tu peux vite... peut vite te faire... peut vite être déçu, quoi. Colin Wing, je l'ai 5 RS, c'est pas mal. Mais ça aussi, malheureusement, bah, je pense que ça va encore faire des devs quelques temps. Hein. Mais après, ça va se faire counter, je pense, par la prochaine team qui va arriver. Mais tu as moyen de la gagner, de la garder quand même quelques temps. T'as moyen quand même de la garder quelques temps, je pense. T'as les vieux persos Gamora et Nebula. Un petit rework. Et un petit up. Ils sont meilleurs que tout. Ouais, bah après, il y a surtout un légendaire autour. Il hein. Y a surtout un légendaire autour. Il faut un légendaire pour débloquer ce légendaire. Et je sais pas à voir, mais... ouais, je pense qu'ils vendent. Hein. Ils vendent, c'est sûr. Hein. Ils vendent fort. Hein. Ils vendent fort parce que sinon, ils réitéreraient pas, quoi. Ils l'ont fait pour... c'était quoi? Pour Ebonimo. Ça a fonctionné de ouf. Le problème, c'est que beaucoup ont monté des nouvelles teams pour les défoncer en GA. Pas évident. Ah oui, c'est clair. Ah, mais il y a un paquet de gens qui ont mis de l'oseille dans la héro à louer, hein, c'est sûr. Hein. Après, c'est un peu de la faute des créateurs de contenu aussi, hein, qui font la pub pour les nouveaux persos. Et en même temps, c'est leur taf. Et en même temps, comment tu veux pas te dire que l'équipe, elle est... Comment tu veux ne pas dire que l'équipe est forte, en fait. Parce qu'elle est forte, en fait. Elle est forte. Le truc, c'est que, ben oui, elle va avoir une durée de vie dans le temps qui va potentiellement pas être très élevée. Mais le problème, c'est que ça, c'est des questions qu'on se pose à chaque team qui sort. C'est ça, le truc. C'est à chaque team qui sort, tu te demandes si c'est pas trop, tu vois. Donc, il y a un moment, on en est là, quoi. Pour finir avec la Nebula que t'as montée, t'es bien grave. Sam Wilson, le Captain Faucon, j'ai hâte qu'il arrive. Oh, il est beau. Hein. C'est très très beau. Hein. Il est très 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 beau. Vous entendez pas la clim depuis tout à l'heure, en fait? Parce que j'ai dû faire des ajustements, parce qu'il y a tout qui déconnait hier, je sais pas pourquoi. J'ai dû tout refaire. Aucune idée, j'avais pas compris c'était quoi le délire. Hein. Donc tu vois, déjà, on a déjà des infos sur les prochains persos qui vont sortir. Ils vont être encore plus pétés que les persos qui sont pas encore sortis. C'est quand même... C'est insane, quoi. Ça me fait rigoler, moi. Ça me fait énormément rigoler. Là, ils annoncent une team pétée qui est en train de sortir. Et là, dans les datamines, t'as déjà des persos qui sont encore plus pétés que ça, qui sont annoncés. Bon, je sais pas si je vais avoir les sorts pour one-shot la note d'après. Je vais essayer, mais je suis pas sûr récent. C'est quand qu'ils nous sortent des persos connus, parce que Dragon Lune, bah Dragon Lune, dans Indiana Jones, ou des trucs comme ça, personne connaît. C'est quand ils sortent des Dormammu ou l'Abomination. Ah, ouais. Le Lézard, ouais. L'Homme Sable, Odin, ah, ça peut être pas mal. Je recharge juste pour essayer de la one-shot, comme ça ils passent direct au bio, mes potes. J'hésite à monter les deux de l'aéro à louer, je suis pas très chaud. Bah moi ça va passer juste G13 tranquille, quoi. G13 avec les skills qui vont bien dessus. Et c'est tout. Ça ira pas plus loin. Et après je vais la mettre en dev, bien sûr. Ça va me permettre de faire une petite team shock de plus normalement. Donc ça c'est plutôt cool. Oula, 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 oula. Oh là là, voilà, c'est sûr que ça passera jamais. Hein. Là c'est sûr que si j'ai pas mon super monocycle de la mort. Moi, je vais essayer de quand même de te tomber le fatalisme, mais je pense que c'est pas parti pour. Oh, non, quoi que ça va vite, hein. Il suffit que ça crit un peu et ça va très très vite. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Bon, est-ce qu'on a parlé du skin de Loki en début de live un petit peu, ouais. Il est pas mal. Il a l'air plus travaillé que les autres. T'as mis combien de temps pour monter ton Astonishing à ce niveau-là? Bah là, c'est pas une full Asto, hein. Il y a les Dad Bros avec. Il y a les deux frérots. Bah sinon, elle est encore en cours de up. Hein. Elle est toujours pas finie depuis que je l'ai eu direct. Et elle est toujours en cours de up. Actuellement. Elle est totalement encore en cours de up. Hop, c'est que là, je manque énormément de DPS parce que j'ai pas mon gros mono qui booste la TB. Du gros AOE. Donc, elle est toujours encore de up parce que là, mon Fov va passer 7 étoiles bientôt. Mon Bishop va passer 5 étoiles, je crois. Sachant qu'il est 5 RS, je me rappelle bien. Et mes Dad Bros ne sont pas G15. Et ben, il n'y a rien qui est G15, en fait. Sur ma team. Mais après, elle est très puissante. Ça suffit large pour le raid. Pour perfectionner un tout petit peu, tu vois. Genre, le problème, c'est que mon long choc, je crois qu'il est que 3 étoiles. S'il faudrait qu'il passe 4 étoiles, ce serait bien, quoi. Ah oui, mercredi, premier épisode de la série Loki, c'est vrai. Là, j'ai trop de trucs à regarder. C'est l'enfer. Il y a la deuxième partie de The Viking qui est sortie sur Netflix. Je marque. Entre autres choses. Il faut que je me remette la première partie, du coup. Bah ouais, il y a Loki. Ah, Loki, je vais le mater. Hein. Mais bon, ça sort un par semaine, donc il y a le time. J'ai ma Gamo 7 RS, elle sublime ma gardien sans Star-Lord, Groot et Rocket. Tu m'étonnes. Ah, il paraît que Gamo, c'est incroyable. Tout seul. Même tout seul, il paraît que c'est incroyable. Allez. Il va falloir jouer Fov là, parce que sinon ma jubilée, je pense, elle va pas tenir. Voilà. Ça, c'était un. Ouais, je vais rester jusqu'à la fin. C'est pas moi qui la finira la note là. Je vais pas rester tout ça. C'est trop. Et puis là, ça s'est juste. Ça s'est parfaitement passé pour que ma team se fasse des zingues en plus. Donc c'est très bien. Loki, ça sort mercredi. J'ai combien d'orbes maintenant? Non, je suis pas encore à 500, je dois être à 300. J'en ai ouvert 20 la dernière fois. Donc je dois être à 300. J'étais à 300 quand j'en ai ouvert 20. Un peu plus de 300. Donc, un petit 9 millions de dégâts au calme. Je sais pas si je suis remonté à 300, c'est long quand même. Hein. Je sais pas si je suis remonté à 300, peut-être pas. Je sais pas si je suis monté à. Je sais pas si je suis remonté à 300, faut regarder. Comment tu fais pour stocker tout ça? J'en ai pas besoin. Après, y a un moment quand je vais ouvrir, je vais monter énormément d'équipes, hein. On va pas se mentir. Hein. Ah, mais je crache sur mon micro aujourd'hui. Hein. Le jour où je vais ouvrir, je vais monter plein de trucs. Hein. Véridique. Hein. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. J'ai monté plein de persos 80, tout ça. Ben parce que j'essaie de. Le problème, c'est. Imagine, il y a un event. Ou... Bon, là, je pense que si on n'a pas cet été, je pense qu'on est tranquille. Hein. En vrai, si on n'a pas cet été, je pense qu'on est tranquille. Moi, j'ai tous mes persos level 65. Il m'en manque une dizaine, peut-être, qui sont pas level 65, sachant que sur les dizaines, la dizaine. Faudra des modules, ouais, j'en ai beaucoup. Après, moi, je monte que pour les raids. Donc, du coup, et les nouveaux persos, je les monte 65, et puis voilà, quoi. L'Infinity, je l'aurai pas au premier passage, je pense. Voilà, quoi. Après, il y a plein de trucs, ça sert à rien de les monter, tu vois. Je vais pas monter ma Polaris level 80. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça que je vais pas monter, en fait. Je vais pas monter mon Multipman level 80 parce que la team en soi.
Elle me sert à rien en fait. C'est pas elle me sert pas à grand chose, ça me sert à rien. Toi, le délire, il est là, quoi. Donc du coup, ben forcément, quand tu montes que ce qui est indispensable dans le jeu, ben tu te retrouves avec pas mal de ressources de côté, quoi. Et t'es obligé de faire comme ça, parce que sinon, tu te retrouves trop... Oh merde ! Qu'est-ce que j'ai lancé, là ? Je te retrouve trop vite dans la merde. Je lance un truc, une team dégueulasse, là. Comme c'est un boss, en plus, je vais me faire ouvrir en deux. Oh, les dégâts de Chanterelle. Les dégâts de Christelle, mon gars. Bon, on va essayer de passer, mais bon. Ultron, ça devient vraiment compliqué à le sortir, je trouve. Hein. C'est de pire en pire. Hein. C'est de plus en plus dur. Hein. Team DD4, ben moi, la DD4, c'est bon. Mon Ultron, il est tombé dans les pommes. Non, mais Ultron, tu lui craches dessus. Il prend Bagdad direct. Hein. En Bagdad instant. Ah ça y est, ça invoque un peu là. Peut-être pouvoir faire quelque chose. Les RS devraient l'aider un peu. Écoute, moi je lui ai mis une RS. Je trouve pas le truc flagrant. Mais après je lui ai mis qu'une RS. Mais c'est vrai que c'est pas flagrant pour l'instant. Ça marche, Fab. Tata Christelle fait le taf, grave. Arrête, parce que j'ai une tata qui s'appelle Christelle. Enfin, j'ai une tante qui s'appelle Christelle, quoi. Une cousine éloignée. Mais bon, c'est ma tata, quoi. J'attends les étoiles rouges en boutique pour Cresserelle. Je veux Beuil pour 6. Mais tu l'as 6 étoiles, déjà ? Avec un peu de chance, il sera 2 RS avant la fin de l'année. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Allez, Chanterelle, fais-nous une petite... un petit dégradozone. Comme tu aimes le mettre. Tu l'as 6 étoiles. Mais what the fuck. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça pousse avec le sirop d'érable ou quoi le truc? Il a 5 RS. Hein. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ah, ça y est, je me fais décimer ma team, on sait pas pourquoi. Le nouveau... Ah ouais, c'est... comment il s'appelle? C'est un acteur. Comment il s'appelle déjà cet acteur? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Admettons que tu as les 500 orbes d'or en les ouvrant. Si tu devais faire un pronostic du total d'or, tu dirais combien? 500 orbes d'or? Je sais pas, je dirais... Elle a vraiment une sale gueule, hein. Je sais pas, 70 millions, non? 70 millions, je dirais. 70 millions, 80 millions, un truc comme ça, non? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, les gars? 137K, la cresserelle, le bâtard. Je suis dégoûté, j'ai lancé ma team. Dégueulasse, là. Ah, ben là, j'ai les bio, là, c'est bon. Je sais pas, 80 millions? 70, 80... Vous direz combien, vous? Pour 500 orbes d'or? Là, comme ça, brut de pomme. Un petit 70 quand même, je pense. Je pense un petit 70 millions quand même. Ça devrait sortir. 200 orbes, j'avais obtenu 35. Ouais, bah tu vois, voilà, 30, voilà 70, 80 millions. 90 millions, tu crois? C'est beaucoup, 90 millions. Mais tu sais que... Tu sais qu'en vrai, si tu regardes bien, c'est pas tant que ça. Hein. C'est pas tant que ça d'or, hein. En vrai. Hein. Top 5 perso, ouais, c'est ça. Non, plus que ça, quand même. T'en up, ben 8. 8, non. C'est 8 ou 9 millions, non, pour passer de 1 à 80. 9 millions, non. Je crois que c'est 8,6 millions, je crois. Comme ça. Salut, Étalon, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Je crois que c'est...
Je crois c'est 8,6 millions, je crois, pour passer un level 1 à 80. Donc moi, j'ai pas de level 1, donc. Enfin, j'ai pas beaucoup de level 1. Avec 500 orbes d'or, t'as 75 millions garantis. Putain, c'est bon, ça. S'il met level 90, ça va coûter la peau du cul. Ah ouais, c'est clair. 90 millions, c'est 180k en moyenne. C'est raisonnable. Ouais. C'est à peu près ça, en plus. Hein. Pour 500 orbes, c'est pas énorme. Mmh. Je vais faire pop des orbes à 1 million, mais combien ? Autant je braque la banque. Hein. Autant, littéralement, je peux être un 100 ou un 110 millions et je me casse avec la caisse, les mecs. Hein. Je me casse avec l'argent des abos. Ah ouais ! Je vais directement au pays où ils construisent les examens. T'imagines un petit 100, 110 millions ? Ah, ce serait pas mal. Hein. Ça serait pas dégueu. Attendre s'il y a un event d'or, bah c'est ça quoi. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas d'event. Mais bon. Avant, t'aurais fait 400 millions. T'es de Marseille, toi, non? Non? Est-ce que tu serais pas des calanques? Là, depuis un moment, on dirait qu'ils ont grave baissé le drop. Ah ouais? Des 1 être millions, sérieux? Sans déconner? L'Ardèche, c'est comme le Far West Red Dead Redemption 2. Se sont inspirés. 75k minimum, je crois, pour les orbes. Alors, minimum 37,5 millions. Ah, j'ai jamais vu 75k tomber. Toujours... C'est toujours 160... Attends. Dans les x10, c'est en, dans les x10, c'est 1,7 en général, la moyenne. En général, on a toujours 1,7 dans un x10. Donc ouais, c'est ça en fait. Qu'est-ce que c'est fort la symbiote, les mecs, quand même. C'est ouf. Hein. $150k minimum. C'est correct. C'est pas mal. Il y a la clim, mais il fait chaud, hein, c'est bizarre. C'est moi qui ai chaud. C'est le soleil de mon pull qui me tape encore dessus, je crois. Non, mais sans déconner, il fait 25, c'est bizarre. Ça fonctionne, cette clim de merde. Mon ordi qui profite de la clim, mais... Profite pas tant, moi. Dans un x10, le mini, c'est 1,5 million. La moyenne est à 2 millions. Tu vas avoir 100 orbes et tu as 20 millions. Ah, moi, j'ai jamais eu une moyenne à 2 millions. Ah, j'ai jamais eu, moi. C'est toujours 1,7, 1,8 environ ce que t'as. 2 millions, c'est 2 millions, c'est un bon x10 pour moi. C'est un bon x10, 2 millions. Ah, elle est bien celle-là. C'est pas la moyenne, ça, Lolo, c'est la médiane. Quoi ? Bah, sur. Comment ça ? C'est quoi la diff ? C'est celle qui revient le plus, ouais. Ce que j'ai le plus souvent, ouais, c'est 1,7 million, 1,8 million à peu près. À partir d'1,9 million, c'est un bon x10. Superstition pour ouvrir x10 ou simplement pour la rapidité. Moi j'ai toujours trouvé qu'on lootait beaucoup plus en x10. Ah, beaucoup plus. C'est incomparable. Après, je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert en x1. Mais au début, quand ils ont mis le x10, l'or c'était. C'était. Enfin voilà quoi, c'était.
Regarde tous tes openings à 100 orbes, tu fais 20 millions. Ah ouais? D'où la moyenne à 2 millions. Ah d'accord, ok. Encore. Et c'est vrai que ouais, la plupart du temps, c'est ça, quoi. C'est 1,7 million, 1,8 million. Puis après, vu que tu chopes une orbe à 1 million, t'as un petit 2,7 million qui tombe. En gros, c'est ça. Hein. C'est souvent ça, quoi. Après, je sais pas si ça loot moins en ce moment, je sais pas. Je fais pas beaucoup d'opening en ce moment. Je suis à la recherche d'opening, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent. Faudra que je fasse une petite annonce. J'en ai plus beaucoup, je crois. Il y en aura bientôt plus sur la chaîne. Donc il va falloir que j'en fasse, mais on m'en demande pas. On m'en demande plus. Moins quoi. Victoire du canard. Il est pas mal ce petit skin Loki. Elle est pas mal. Bon, on est par Dago. Je sais pas si c'est moi ou si Bouy te fait la gueule, mais le live lag. J'ai 0,0% d'images perdues. J'ai eu 80 images perdues sur 2h, 2 minutes de live. Donc on est bien. Tu m'en prépares un pour mon premier perso 7 étoiles, donc environ un mois et demi de farm d'orbe. Bah ça, c'est parfait, tonton. Je suis ouvert. Bon, d'ailleurs, en parlant d'orbe, les amis. Donc ça, on garde. Bah ça, faudra qu'on les ouvre après. Oh, ah oui, c'est vrai qu'on a un peu plus d'orbe à ouvrir, là, vu qu'on a live sur Lost Centuria jeudi. C'est vrai, les amis. C'était vraiment cool pour ceux qui étaient là, en tout cas. C'est vraiment sympa. On remet ça jeudi, du coup. J'ai pas vu combien a fait la vidéo de la rediff. 5500 orbes de guerre, je suis un monstre, je suis en late game, c'est sûr, hein. Ça se voit, hein. Pastille Vichy, incroyable, rien à foutre. Oh ouais, oh, je m'en fous. Ah ça m'intéresse par contre. Ah, c'est pas mal. Encore cette merde. Ouais, c'est pas dégueu. Pas dégueu, les gars. Franchement, c'est pas mal. On va pas se plaindre. Ça, on garde. Ça. Ah, on a quelques trucs à ouvrir. Hein. Bon, le violet, c'est pour le plaisir. J'ai bien accroché le centurion. C'est incroyable. C'est de la régalade. C'est vraiment cool. Le jeu est cool. Demain, il y a un nouveau jeu sur ma seconde chaîne qui sort aussi. Destroy All Humans. Détruisez tous les humains. Voilà. Ceux qui veulent découvrir, je vous laisse aller découvrir. C'est des barres de rire. Oh. Ah non, c'est pas ça que je veux. Je m'en fous de ça. Ah, Santéra, c'est cool. Hein. C'est du plaisir. Tout à l'heure, j'ai perdu 3 fois de suite contre 3 mecs nuls. J'étais au bout de ma vie. Je jouais comme des pieds. Et j'ai joué encore pire, quoi. Alors que je l'ai démonté. Je leur pète 3 persos d'entrée de jeu. Et je sais pas comment je me débrouille pour faire de la merde. Et à un moment, mon cerveau, il arrive pas à arrêter de faire une connerie. Là, qui est de démonter la backlane, en fait. Ouais, il faut que je démonte la backlane. Ah, c'est l'enfer. J'arrive pas à m'arrêter, quoi. Même si ça sert à rien, tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça m'intéresse beaucoup, ça. Je crois que je vais passer ma Jubilée G15. Elite. C'est un jeu mobile, ouais, le Sanctuaire. C'est pas évident de composer ses équipes, tu changes un perso et c'est la merde, ça marche plus. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est cool, ouais. Dégueulasse. Red Beta. Qu'est-ce qu'il y a dans cette merde? Il y a du Shadow Store. Oh! C'est pas mal, ça. Combien j'en ai de ça? Tiens, ça m'intéresse. 2255. Attends, on en avait pas un il y a 2 mois. Non, on sait plus quoi en foutre de ça. Ça gère bien les ressources, quand même. Ça gère bien les ressources chez Scopalai. Qu'est-ce que je récupère là-dedans? Du mutant? Enfin, elle me saoule, ces orbes. Il n'y a pas de x10 dessus. Ah, et du mutant.
Ça me déprime qu'il n'y ait pas de x10. A plus, Tom. Ça marche à mardi. C'est pas... Bah après, pour ces équipes, bah là, il y a une mise à jour, là. Ragdoll, c'est fort. C'est très fort. Après, le petit... mix Syrah, Barretta, Syrah, Zibralta, Syrah Niki, tout ça, c'est très fort. Et voilà, quoi. Mais Ragdoll, c'est fort. Du mutant, voilà, du mutant, voilà. Ok. Merde. Que fais-je? Ah, mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 13 orbes sup, on va les garder. Orbes de base? 15 orbes de base? I'm rich. Et que là, c'est une chauve en plus. Ah, quelle horreur! Tigulas. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Orbe d'or, j'en ai 292 d'orbe d'or. Soit l'équivalent de pas mal de millions d'or. Les orbes de Kappa, je m'en fous. Oh, j'ai une méga orbe! C'est dégueulasse, ça. Ça a gerbé, ça. Putain, je tire que des méga orbes chez les autres, moi. C'est fou, hein. Les orbes de phase, Coulson, t'es avec nous, Coulson, j'en ai marre. J'ai pas vu Coulson depuis avril 2002, quoi. J'en ai marre, je n'ai toujours pas cette étoile, il sort jamais, quoi. C'est l'enfer. Pas dire que c'est scripté, après on va dire que je suis un complotiste. Alors, Dak. Quoi? Ah c'est tout, j'ai tout ouvert là? Ah merde. Ah j'avais pas vu le truc comme ça, moi. Oh, j'ai une orbe de G15. Oh, c'est bien ça. Ah oui, on apprécie ça. On apprécie le beau jeu. Est-ce que je passe jubilé G15 pour ma partie légendaire? Est-ce que ça va m'aider déjà d'avoir un légendaire en plus G15? C'est ça la question. Alors attends. Ah, je peux pas le passer lui direct d'un coup là. Attends, je réfléchis. J'ai FOB G15 moi? Ah ouais? Intéressant ça. Ouais, c'est pas ouf ça. Ah. Non, j'avais même pas vu que j'avais même pas maxé lui. Ok. D'accord. Donc ça au CF. Ouh, c'est que ça monte hein, le carnage. Hein. C'est que ça monte le carnage. Je vais finir G15 lui aussi, tu vois. Non. Ah, oh, je peux rien mettre dessus, tu crois, toi? Ah ouais. Ah, mais c'est ça qui me manque. Ah. Ah ouais. Et Shuri? Oh, je peux passer un légendaire G15 en plus. Oh. Où est-ce que je la passe? La question, elle est là, les gars. Est-ce que je passe Shuri G15 pour la foutre en DD4? Ça peut être pas mal, hein. Shuri Invisible Woman, Octopus et Bonimo Phoenix. Non? Ah ouais, à ce point-là? Non, catégorique, genre, fais pas ça, quoi. Un non catégorique, quoi. Jubilé? Mais attends, mais Jubilé, je l'aurais pas avant des années, gros. Tu parles d'un truc qui est très très loin. Très 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 loin. Oh, il est même pas G14 lui. Ah mais c'est pour ça qu'il se fait démonter en arène ce con. Nick Fury aussi, je suis sûr que je peux le passer à G15. Tu vois, il y a quand même pas mal de persos que je pourrais passer 80. Hein. Je prendrais grave, grave de puissance en GA. Hein. Même dans mes équipes. Hein. Même dans mes équipes. Oh, faut que j'achète le skin de Jean-Michel Platiste, là. Pendant que j'y pense. Avant que j'oublie. 25. Ah, mais j'ai pas encore assez. Hein. Il manque 4000. 4000
Ah, le Morpoul à 33 000, j'ai tellement l'acheter lui aussi. Ah ouais. Ah oh là là, je vais tellement le prendre, le Morpoul. Réel. Off. Ouais. Ouais, ouais. On verra. Le Morpoul, c'est. Mais non, je ne veux pas te cliquer. Mais pitié, descends. Ah. Elle va me servir pour la DD4, c'est que pour ça que je la monte. Hein. J'ai pas encore assez pour prendre Iceman, donc ce sera plus tard. Hein. Ce sera peut-être pas mardi, mais si, peut-être mardi. Peut-être mardi, les mecs. Hein. Ouais, je pense que. Je sais pas. Après, si je la monte, je vais finir la DD4 plus vite. Mais je vais dépenser des ressources, quoi. Après, Jubilé, je l'ai pas demain, les mecs. Hein, on va pas se mentir. Hein. Là, il me manque 50 de ça. Ça, je les ferme tous les jours. J'en ai jamais. Oh, quoique. 92. Ah, 40. 40. Ah non, c'est sûr. Je la monte pas, Jubilé. J'ai 15. Hein. Si Scope et Freak fait un genre d'événement, ça prend les costumes. Comment ça? Ah, tu veux dire en prérequis que les costumes soient du prérequis? Non, jamais. Non, non, je pense pas. Ils sont cons, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, je pense. Tu finis le premier run des D4 avec Shuri et avec les rewards, tu montes Jubilé pour le deuxième. Ouais, c'est pas con. Après, c'est pas dégueu, c'est pas déconnant, Shuri, on s'en sert grave. Hein. Je m'en sers aussi en raid grec. C'est tout. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour la matrice BAM du bleu. Incroyable. Ah, mais attends. Tout à l'heure, j'ai gagné un petit peu des. Ah, je peux pas. Ah, il en faut 2000. J'en ai combien? J'en ai 0. Bah, j'ai gagné quoi tout à l'heure? J'ai gagné un truc tout à l'heure, c'était quoi? 0 sur 2000. Ah si, je peux en ouvrir. Ah, je peux en ouvrir 6. Comme c'est beaucoup. Protecteur, soutien, cogneur, manipulateur. Ouais. Shuri en grec et en doom, ça risque de tir grave. En doom? Ah, je crois pas que j'utilise mon Doom. Je suis même pas sûr. Je crois pas que j'utilise mon Doom. Hein. En Doom? Que je l'utilise, moi. C'est ma première note, je crois, la techno, ça passe tout seul. C'est possible, hein, mais je dois l'utiliser. Il faudra la monter pour les notes techno. Ouais, ouais, ouais. Mais sauf que moi, c'est les premières notes, donc elles passent en mode facile, quoi. C'est les deux premières notes, donc ça s'auto et ça passe vraiment en mode... pas de soucis, quoi. Après, en grec, par contre, là, c'est autre chose. En grec, je m'en sers beaucoup et dans plusieurs, quoi. Si je me souviens bien. Donc ouais. Ouais. Ça peut être pas déconnant. À voir. À voir les amis. Bon, on n'est pas dégueu. On n'est pas dégueu. Les amis. Eh ben, merci à tous pour ce petit live d'FRMI. Pour les lanes avec Doom sur le boss tech. Ouais, ouais. Mais moi, c'est les premières nodes et du coup, je les démonte. Je les démonte facile. Mais why not, ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Les amis, merci à tous pour ce petit live. On se retrouve mardi pour la guerre. D'ailleurs, il faut que je change mes defs. Je vais augmenter un petit peu mes defs. Maybe peut-être ouvrir des orbes d'or bientôt. Je vais voir. Merci à tous. Merci pour les abos. Merci pour les dons. Merci pour avoir été là comme d'habitude, les amis. On se retrouve mardi à 20h. Demain, regardez la deuxième chaîne, les amis, parce qu'il y a un super jeu qui sort. Voilà, vous allez vous régaler. Merci à tous. À mardi, 20h comme d'habitude. Faites pas les fous, les amis, on pique pas les merguez. Bon courage à ceux qui vont bosser demain. Bon courage à ceux qui vont bosser mardi. Faites pas les fous, bien sûr. Si vous voulez l'adresse pour acheter du sirop d'érable, il n'y a pas de souci, les amis. Merci à tous, bonne nuit, bonne soirée. Bon app à ceux qui vont manger. Ciao, les potes. À mardi. Ciao, ciao, ciao.